Bien, bonjour à tous, chers collègues. Nous avons l'honneur d'accueillir cet après-midi M. Jean-Michel Sommer, Sommer, président de la Chambre sociale de la Cour de cassation depuis le mois de juillet 2022, accompagné de M. le doyen de chambre Jean-Guy Huglot et Mme la doyenne de section Christine Capitaine. Mesdames et Messieurs les magistrats, nous vous remercions de vous être rendus disponibles rapidement pour permettre à notre commission d'enquête de poursuivre ses travaux qui s'organisent autour d'un double objet. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du modèle Uber en France, l'ubérisation, et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Dans ce cadre, nous avons été conduits à nous interroger et à débattre ces dernières semaines, notamment sur le statut des employés des plateformes d'emploi comme Uber, censés relever du régime du travailleur indépendant, mais souvent requalifiés par le juge ces dernières années comme salariés en raison du lien de subordination qui caractériserait la relation de certains employés vis-à-vis des plateformes. Si les informations qui nous ont été transmises sont exactes, il y aurait près de 300 affaires portées devant le tribunal des prud'hommes de Paris par les chauffeurs Uber espérant obtenir la requalification de leur contrat commercial en contrat salarié. Mais d'autres employés auraient aussi déposé des dossiers contre Take It Easy, Deliveroo, Foodora, Uber Eats, Frishti et Stuart, par exemple. Et nous auditionnerons aussi certains des représentants de ces plateformes. Nous avons donc souhaité vous entendre pour connaître l'état des contentieux en cours en la matière, comprendre l'évolution de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur le statut des employés des plateformes. Je crois même savoir d'ailleurs que la Cour vient de rendre un nouvel arrêté concernant la société Bolt aujourd'hui même, je crois, ce qui montre que ce sujet est en effet brûlant. Nous sommes également très intéressés par l'état de la jurisprudence de la Chambre commerciale, de la Chambre criminelle relative aux plateformes d'emploi et la manière dont les juges du fond s'y réfèrent ou non. Par ailleurs, nous avons pris connaissance du projet de directive européenne relatif à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre des plateformes qui pose une présomption de salariat des travailleurs. Pourriez-vous nous dire s'il s'agit selon vous d'une réponse adéquate à ces problématiques auxquelles les juges sont aujourd'hui confrontés? De quelle manière cette directive, si elle a été transposée en droit français, pourrait avoir un impact sur le travail du juge et les contentieux en cours? Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour un propos liminaire et puis pour répondre à toutes ces premières interrogations, avant de laisser du temps à l'échange avec nous-mêmes et nos collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter, à commencer par M. Sommer, le plus proche de moi, à activer votre micro, lever la main droite et dire l'un après l'autre, je le jure. Je le jure. Faut débrancher le micro quand vous... Je le jure. Je le jure. Merci à tous, je vous laisse la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Peut-être en guise d'introduction, je souhaiterais vous dire combien la Cour de cassation est sensible à l'invitation que vous lui avez adressée, que vous nous avez adressée, et à l'attention que le Parlement porte à la jurisprudence de la Cour et aux conditions de son élaboration. Et la Cour, je me fais là l'interprète de son premier président, se réjouit d'un échange de cette nature entre notre juridiction et votre commission d'enquête, qui me donne une nouvelle occasion de rappeler brièvement, bien sûr, la place et le rôle du juge, et plus spécialement du juge du droit du travail, à la place qui est la mienne. Alors, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, nous nous répartirons un temps d'intervention peut-être d'une demi-heure, selon votre souhait. Je ferai une présentation un peu panoramique de la jurisprudence en l'état actuel des choses, après avoir dit quelques mots de l'état des contentieux qui sont portés devant la Cour de cassation. Vous m'avez interrogé également sur les contentieux portés devant les juridictions du fond. Alors, nous ne sommes que la Cour de cassation, j'ai envie de dire, mais on a pu recueillir quelques données sur lesquelles, si vous le voulez bien, je tâcherai de vous informer. Alors, au préalable, sans perdre trop de temps sur ce point, mais je voudrais tout de même rappeler que la Cour dit le droit, qu'elle ne fait pas la loi, évidemment, au lieu et place de celui dont c'est le rôle,
que la Cour et les juges l'interprètent au besoin, dans le silence ou dans l'obscurité des textes, et que le rôle du juge est également un rôle régulateur. Je pense que c'est en lien avec notre sujet, rôle qui consiste à faire en sorte que la loi et l'interprétation qui est donnée par les juges soient la même sur l'ensemble du territoire. J'y insiste également, c'est une remarque que j'ai un peu l'habitude de faire auprès de divers interlocuteurs, la Cour de cassation est saisie par des avocats, elle est saisie par des moyens, et ce sont eux qui posent les questions à la Cour de cassation. Souvent, d'ailleurs, je le dis avec un peu d'ironie, mais les questions sont aussi intéressantes que les réponses que nous y apportons. Et d'où l'intérêt de s'attacher aux moyens et à la formulation de ces questions, étant observé que la Cour de cassation ne s'empare pas elle-même de sujets, qu'elle ne se saisit pas elle-même et qu'elle ne fait que répondre aux questions qui lui sont posées. Si bien que nous avons l'habitude de dire que son activité s'inscrit dans une sorte de continuum qui prend une source dans les décisions des juridictions de première instance, les juridictions ici des conseils de prud'homme, ceux qui nous intéressent, avant d'être soumis à une cour d'appel, et que cette jurisprudence se construit à partir des contentieux par un processus de stratification, de sédimentation. Nous disons parfois que la jurisprudence se construit à petits pas dans notre vocabulaire, mais on voit bien ce que ça veut dire, et là encore, je pense que ça fait écho à ce que nous dirons tout à l'heure, c'est une construction par briques, en quelque sorte, qui se fait à partir des questions qui sont posées par les parties et par leurs avocats. Vous savez que la Cour de cassation comprend 5 chambres civiles, une chambre sociale, la chambre sociale qui se voit attribuer les recours et les pourvois dans les domaines du droit du travail, dans toutes ses composantes, mais qui sont finalement un champ très varié, puisqu'il s'agit de traiter de l'existence du contrat de travail, de sa formation, de sa rupture, mais aussi de négociations collectives, de santé au travail, de sécurité des travailleurs, de droits fondamentaux, de droits des salariés protégés, de rémunération, de temps de travail. Je n'y insiste pas davantage. Ce que je veux vous dire, c'est que les décisions que nous rendons à la Cour de cassation en matière sociale, ou en tout cas les pourvois qui sont formés et qui viennent devant notre Chambre, représentent sur une période de 10 ans, j'ai sorti les données disponibles, environ 40% des pourvois de la Cour de cassation. C'est-à-dire, c'est dire l'importance de l'activité et du contentieux social dans l'activité de la Cour de cassation. C'est pas pour surestimer le travail que nous vous faisons, mais si on y ajoute la sécurité sociale qui ne relève pas de la compétence de la Chambre sociale traite 40% des pourvois. Quand on est dans une université, on n'a pas la même représentation du droit que lorsqu'on est dans une juridiction comme la nôtre et qui traite de pourvois, qui sont parfois des pourvois à caractère sériel. Pour vous donner une idée du nombre de pourvois traités par la Chambre sociale en 2021, c'est les derniers chiffres consolidés, nous avons traité 4000 pourvois et nous avons rendu un peu moins de 3000 décisions. Alors pourquoi cette différence entre les deux chiffres, entre les affaires traitées et les décisions rendues? C'est précisément en raison de l'arrivée de contentieux sériels qui intéresse en matière prud'homale parfois plusieurs salariés. Et il n'est pas rare, en effet, que, mais ça, vous le savez bien, que la collection de conflits individuels révèle en réalité l'existence d'un conflit collectif. Donc nous avons parfois des pourvois qui paraissent être des pourvois individuels, et la même chose pour nos collègues devant les juridictions du fonds, mais en réalité, pour des raisons stratégiques ou pour des raisons tout simplement qui tiennent à ce que le litige intéresse un grand nombre de salariés, c'est en vérité un conflit collectif qui est parfois derrière le conflit individuel. Alors, les chiffres que je viens de vous donner, sans en abuser de chiffres, peuvent être rapportés aux données d'activité des cours d'appel. 210 000 affaires traitées nouvelles en 2021 par les cours d'appel, dont 35 000 appels qui sont formés contre des jugements de conseils de prud'homme. Donc, ça donne 35 000 affaires prud'homales, en quelque sorte, devant les cours d'appel, dont les cours d'appel ont été saisies en 2021. Les décisions des juridictions de première instance, elles, sont de 103 000, des conseils de prud'hommes, toujours pour cette année 2021. Et ce qu'il est peut-être intéressant de savoir, avant de rentrer dans notre sujet à proprement parler, c'est que plus de 60%, 63% des jugements de première instance en matière prud'homale sont frappés d'appel. C'est le taux le plus élevé de recours d'appel contre les jugements rendus par des juridictions du premier degré, en matière civile, sociale et commerciale. Je laisse de côté le pénal, qui ici est autre chose. Alors, je suis aujourd'hui accompagné, vous l'avez dit, du doyen de la Chambre sociale, qui est aussi le doyen de la Cour, d'ailleurs, et qui est avec
Jean-Guy Huglot, avec Christine Capitaine, doyenne de la section, qui, dans la Chambre, s'occupe plus particulièrement de la question du contrat de travail, de sa formation, de ses critères. Et l'un et l'autre sont particulièrement qualifiés, expérimentés, et ils pourront utilement compléter les propos que je vais tenir maintenant sur notre sujet des plateformes telles qu'elles sont, telles que ce sujet est examiné par la Chambre sociale, pour laquelle la principale question est celle, en effet, de la qualification du contrat. Et la Chambre sociale a été saisie depuis 2018 environ à une dizaine de reprises de pourvoi. Donc tout cela aussi, vous pouvez le rapporter aux chiffres que j'indiquais tout à l'heure et à ceux que vous pouvez connaître sur le nombre de travailleurs concernés par les sujets dont nous parlons. Alors, nous sommes évidemment, nous, intéressés, on a peu d'outils, d'anticiper les saisines de la Cour de cassation en observant les contentieux qui sont portés devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en droit du travail et dans ce domaine particulier, dont je dirai un mot avant de conclure. Alors, la qualification du contrat de travail, d'ailleurs, telle qu'elle est appréciée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, je dis telle qu'elle est appréciée par la Chambre sociale parce que, d'autres vous l'ont dit avant moi, il n'y a pas de définition légale par le Code du travail du contrat de travail. Peut-être cela nous renseigne-t-il sur la difficulté qu'il y a à en donner une définition, parce que je pense qu'avant nous, d'autres ont certainement pensé à consolider ou à légiférer sur la définition du contrat de travail, mais on voit combien l'exercice est difficile, et vous le savez, en particulier sur le sujet qui nous occupe. Alors, selon la définition qui est communément admise, c'est un contrat qui est et par lequel une personne physique, un salarié, s'engage à exécuter un travail sous la subordination d'une personne physique ou morale, l'employeur, en échange d'une rémunération. Et le critère essentiel est celui du lien de subordination du salarié à l'égard de son employeur, qui permet de distinguer le contrat de travail d'une prestation exercée en tant que travailleur indépendant. Donc, depuis longtemps, on admet que le lien de subordination est principalement juridique et pas seulement économique. C'est un point important de notre jurisprudence, même si cette frontière entre le juridique et l'économique est difficile parfois à poser. Mais en tout cas, c'est une espèce de règle ancienne qui nous guide, qui est qu'il s'agit ici de définir un lien de subordination juridique. La seule dépendance économique entre un travailleur et un tiers qui lui fournit un travail ne suffisant pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail. Bon, la définition du lien de subordination a été posée par un arrêt maintenant assez ancien, de 1996, on appelle l'arrêt Société Générale. Et comme cela vous a été rappelé à plusieurs reprises, nous avons pu écouter les auditions auxquelles vous avez procédé. Donc tout cela, vous l'avez, peut-être le savez-vous déjà, certainement, et vous l'avez entendu plusieurs fois, mais il faut le rappeler, le répéter, le lien de subordination est défini comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a, premièrement, le pouvoir de donner des ordres et des directives, deuxièmement, le pouvoir d'en contrôler l'exécution, et troisièmement, celui de sanctionner les manquements de son subordonné, c'est le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Et dans ce même arrêt de 1996 a été posé un peu comme un indice, mais à la fois comme un critère et un indice de l'existence d'un lien de subordination, un travail dans un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Donc on voit bien qu'un peu en complément des trois critères principaux que j'indiquais, il y a ce critère un peu subsidiaire, mais qui est plutôt d'ordre organisationnel, sinon économique, qui est l'existence d'un travail dans un service organisé. La jurisprudence retient enfin, et ceci est aussi important à préciser, que la qualification de la relation contractuelle ne repose pas sur les termes mêmes du contrat. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté qui est exprimée par les parties, ni de la dénomination que celles-ci ont donnée à leur convention, mais elle dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Je veux dire par là que peu importe qu'un contrat écrit ait été signé ou n'ait pas été signé, qu'un contrat qualifié ou non de contrat de travail, la relation, il appartiendra toujours au juge d'examiner concrètement si, au regard des conditions d'exercice de l'activité, un lien de subordination est caractérisé. La question de la nature de la relation contractuelle qui unit un travailleur de plateforme à la plateforme s'inscrit donc dans une jurisprudence qui est bien établie, et le contrôle de la Cour de cassation, dont parlera Christine Capitaine dans un instant, repose sur des éléments de fait
en vérité, qui sont constatées par les cours d'appel. La Cour de cassation doit donc, dans chaque dossier, répondre à la question suivante, en fonction des moyens qui lui sont présentés par les avocats, par les parties, est-ce que les éléments de fait qui sont relevés par la Cour d'appel permettent ou non de caractériser un lien de subordination. Et les constatations de la Cour d'appel dépendent elles-mêmes des éléments qui lui sont soumis par les parties, contrat, attestation et tout autre élément qui démontre ou non l'existence d'une subordination juridique entre le travailleur et la plateforme avec laquelle il travaille. Donc pour nous, il ne s'agit pas, au moins en l'état actuel du droit, de prendre une position de principe sur la nature de la relation contractuelle entre un travailleur et une plateforme, mais de vérifier au cas par cas si l'existence d'un lien de subordination est ou non caractérisé. Et c'est ce qu'on nomme parfois la recherche par le juge d'un faisceau d'indices permettant de retenir l'existence d'un contrat de travail. Vous voyez qu'entre les critères juridiques que j'énonçais tout à l'heure du lien de subordination et ce faisceau d'indices, qui est un faisceau qui rassemble des éléments de fait, la distinction qui pour nous est cardinale entre le fait et le droit à la Cour de cassation s'estompe un peu, puisque nous, dans notre débat, y compris devant le juge de droit qui est la Cour de cassation, on voit apparaître des éléments discutés, des éléments de fait discutés, comme, je ne vais pas tous les reprendre, ma présentation est un peu en vrac ici, la désactivation du compte par le co-contractant du travailleur de plateforme, le choix des horaires de travail, le choix de ne pas travailler à certaines plages horaires, la géolocalisation, le libre choix ou non l'itinéraire par le travailleur, le choix des clients, l'évaluation, la notation, la comptabilisation du nombre de kilomètres parcourus, le port d'une tenue imposée au travailleur, le coût de la prestation, l'existence d'un tarif ou non, les pénalités, la résiliation immédiate, la mise à disposition ou non du matériel, le matériel standard, une clause d'exclusivité figurant dans le contrat, une clause de non-concurrence, l'interdiction de prendre en charge d'autres passagers, que sais-je encore. Je ne vais pas allonger la liste, j'ai encore 4-5 items dont je vous fais grâce. Je termine par l'interdiction d'un pourboire, derniers arrêts peut-être qu'on a pu voir dans des cours d'appel, vérification que le client était bien le titulaire d'un moyen de paiement, etc., etc. Donc tout ça, la Cour de cassation va l'examiner, mais il faudra mettre cela en ordre pour faire rentrer ces éléments de fait dans, en quelque sorte, les catégories des critères que j'indiquais tout à l'heure. On voit bien qu'il s'agit d'indices factuels et contingents et de considérations de fait et non des considérations de droit. Et non, il n'est donc pas une mince affaire que de qualifier la relation contractuelle. Et dans ce contexte, et s'agissant des règles de preuve, c'est au travailleur de démontrer, en l'état actuel du droit, l'existence du contrat de travail, étant précisé que lorsque le travailleur est immatriculé, notamment au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou auprès des URSSAF, il est présumé être un travailleur indépendant et ne relevant pas des dispositions du Code du travail. C'est donc lui qui supporte le risque de la preuve. Si des éléments qu'il apporte sont insuffisants, alors la relation de travail ne sera pas qualifiée de contrat de travail. J'en viens à quelques données jurisprudentielles, brièvement. À la Cour de cassation, je vous ai dit que nous avons eu une dizaine de pourvois que nous avons jugés sur ces questions. Entre 10 et 15 pourvois. L'arrêt inaugural, j'en donne simplement là, un peu un panorama très très général. L'arrêt inaugural de cette jurisprudence sur les plateformes, c'est l'arrêt Take It Easy de la Chambre qui a été rendu en novembre 2018 et qui a cassé un arrêt qui avait rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Donc voilà le premier arrêt qui a été rendu, dont parlera peut-être le doyen Huglot ou Christine Capitaine. Ensuite, l'arrêt un peu emblématique, si l'on veut, pour nous, en tout cas la Cour de cassation, c'est le fameux arrêt Uber rendu par la Cour et par la Chambre dans une formation solennelle de la Chambre le 4 mars 2020. C'est un arrêt qui a fait l'objet d'une communication très large, vous l'aviez sans doute remarqué, une publication, une diffusion sur le site internet de la Cour de cassation avec un communiqué de presse. L'arrêt a été traduit, ce qui est assez rare à la Cour de cassation. On commence à faire cela en langue anglaise, en langue espagnole. Et dans cette affaire souvent citée, nous avons approuvé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait retenu l'existence d'une relation salariée entre un travailleur et la société Uber BV. Donc l'arrêt emblématique, après l'arrêt inaugural, si vous voulez, et l'arrêt le plus récent, vous en avez dit un mot, Monsieur le Président, c'est l'arrêt qui a été rendu ce jour et qui concerne la société Bolt. Et cet arrêt a approuvé dans un peu la ligne, d'une certaine manière,
de l'arrêt Uber, une cour d'appel qui avait retenu l'existence d'une relation salariée entre le travailleur et la société Bolt, qui met en relation des chauffeurs et des clients par le truchement d'une plateforme de mobilité. Et je citerai enfin, je pense que Christine dira un mot si elle le souhaite, de la motivation de l'arrêt qu'on a rendu aujourd'hui, si vous le voulez bien. Et je citerai enfin un arrêt dont on vous a aussi parlé, un arrêt controversé. Je ne prends pas position sur cette controverse, naturellement, ça n'est pas mon rôle. Au moins, quant à sa portée, l'arrêt Voxtur-Lecab du 13 avril 2022, qui cette fois cassait un arrêt qui avait retenu l'existence d'un contrat de travail entre un travailleur et la société Voxtur-Lecab, qui intervenait dans ce même secteur d'activité. On est quand même, pour l'instant, dans la jurisprudence de la Cour, surtout sur le secteur des mobilités, des livreurs et des transports et des véhicules légers. Je voudrais préciser quand même sur cet arrêt Lecab, Voxtur-Lecab, que je crois que le président Frouin vous en a dit un mot, et d'autres peut-être, que cette décision a pu être mal comprise, je dirais mal comprise, en ce sens que la cassation qui a été prononcée l'a été dans notre jargon de la technique de cassation pour un, ce qu'on appelle un manque de base légale. En réalité, ce que nous avons dit à la Cour de cassation dans cette affaire, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que la Cour d'appel ne s'était pas livrée à une recherche complète des éléments, des indices permettant de caractériser le lien de subordination. Donc c'est évidemment un arrêt important qui a été rendu par la Chambre, qui est une indication, comme l'arrêt Uber. Elle l'a été en son temps. Là, c'est une indication qui est un peu en sens contraire, mais qui invite surtout la Cour d'appel de renvoi qui va être saisie. Qui est saisie ou qui va l'être, je n'ai pas vérifié ce point, mais c'est les parties qui saisissent la cour de renvoi qui va devoir reprendre en quelque sorte la copie, enfin c'est une autre cour ou une autre composition, mais qui va reprendre la copie, qui va devoir motiver autrement sa décision pour qu'elle soit considérée comme satisfaisante, quoi qu'en dise la cour de renvoi au regard de nos exigences de contrôle à la cour de cassation. Je voulais apporter cette précision sur cet arrêt parce qu'elle me paraît quand même relativement importante. Voilà. Devant les entres. Alors, nous avons cinq pourvois en cours d'instruction à la Cour de cassation qui concernent toujours d'ailleurs les mêmes plateformes dont nous avons parlé. Je ne peux pas trop m'y étendre puisque les pourvois sont en cours. En effet, il concerne des arrêts qui sont rendus pour certains d'entre eux dans un sens, pour d'autres dans un autre sens, ce qui montre bien que la jurisprudence n'est pas totalement stabilisée d'une certaine manière de ce point de vue-là. Et pour certains pourvois, je pense à un qui vient d'être fait par une grande plateforme, un désistement est intervenu. Bon, c'est le jeu des stratégies judiciaires. Le demandeur au pourvoi, son conseil, a pu estimer qu'il ne souhaitait pas qu'un arrêt soit rendu par la Cour de cassation dans la configuration qui lui était présentée. Nous n'avons pas à intervenir par rapport à cela, mais on est évidemment conscient des stratégies des parties qui sont parfois intéressantes tout de même à observer, même si on n'a pas connaissance toujours des raisons et des motifs pour lesquels ces désistements interviennent. Mais c'est le jeu de la procédure, d'une certaine manière. Devant les autres chambres de la Cour de cassation, là aussi, Monsieur le Président, je crois que vous en aviez dit un mot dans votre propos introductif, le contentieux de la requalification du contrat de travail n'est pas porté uniquement devant la chambre sociale à la Cour de cassation, il est aussi devant la chambre criminelle de la Cour, donc qui traite les affaires pénales, comme on l'imagine bien, et il est aussi devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Et là, je veux simplement évoquer, on pourra compléter si vous le souhaitez, deux arrêts rendus, le premier par la chambre criminelle le 5 avril 2022, que j'ai communiqué à Madame l'administratrice, une décision de la Cour cassant un arrêt de la Cour d'appel de Douai, une décision de la Chambre criminelle qui casse un arrêt de la Cour d'appel de Douai qui avait condamné une société Click and Walk pour un travail dissimulé, c'est ça l'angle contentieux. Au pénal, c'est le travail dissimulé, bien entendu. Et il s'agissait ici d'une société qui versait une gratification en points cadeaux ou en numéraire à des consommateurs qui, à partir d'une application gratuite téléchargée sur leur téléphone, effectuait pour le compte de cette société des missions notamment de vérification dans les magasins de la présence, du prix, la visibilité de produits, les supports commerciaux ou la qualité des prestations de services des entreprises clientes de la société. La chambre criminelle a écarté ici l'existence du lien de subordination après un avis de la chambre sociale pour considérer qu'il n'y avait pas pénalement de qualification de travail
dissimulé. Voilà pour la chambre criminelle. Il n'y a pas d'autres procédures à notre connaissance en cours, d'autres pourvois en cours devant la chambre criminelle. Sur le plan commercial, là, le lien d'instance se fait devant la chambre commerciale autrement, sur le terrain de la concurrence déloyale. En réalité, c'est deux sociétés qui, une première qui fait une procédure à l'encontre d'une seconde, en lui reprochant des faits de concurrence déloyale pour avoir fait effectuer un travail dans des conditions qui ne sont pas respectueuses ici du droit du travail. En réalité, c'est ça qui crée ou pourrait créer une rupture de concurrence entre les sociétés. Et là, la chambre commerciale a été saisie en particulier d'une affaire qui a donné lieu à un arrêt le 12 janvier 2022 de la chambre commerciale qui a cassé la décision rendue par la Cour d'appel de Paris ici, qui avait écarté l'existence de tout lien de subordination. Vous voyez, on a des décisions un peu dans tous les sens, mais cela s'explique un peu par ce que j'ai déjà dit. C'était là une plateforme de mise en relation de chauffeurs VTC qui était assignée par une autre société, et la chambre commerciale dit qu'il reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir analysé, un peu comme dans le dernier arrêt Le Cab, concrètement les conditions effectives dans lesquelles les chauffeurs exerçaient leur activité. Voilà, en l'état actuel du droit, donc la définition du lien de subordination et son régime probatoire est identique devant l'ensemble des chambres de la Cour de cassation. C'est le message que je voulais un peu porter devant vous, c'est qu'il y a concertation entre les chambres commerciales, criminelles et la chambre sociale, qui est quand même un peu au cœur de ce sujet. Mais lorsque les deux autres chambres sont saisies de ces sujets, soit par des procédures officielles internes sur lesquelles je ne m'étends pas, l'avis de la chambre sociale est demandé. C'était le cas pour l'affaire examinée par la chambre criminelle, ou bien il y a une concertation entre les rapporteurs, entre les doyens, entre les magistrats ou entre les présidents pour que les jurisprudences soient aussi proches dans au moins le mode de raisonnement qui est celui de la Cour de cassation. Et là, l'arrêt de la chambre commerciale a été étroitement examiné en lien avec la chambre sociale qui reprend le mode de motivation qui est celui de nos arrêts à la chambre sociale. Dans les juridictions du fond, on a un peu regardé ce qui se passait dans la base dont nous disposons des arrêts des cours d'appel, qui est une base exhaustive des arrêts des cours d'appel, et on a constaté sur une période de 5 ans, 2017 à 2022, qu'ont été soumises aux cours d'appel, alors là, il n'y a pas le pénal, uniquement en matière civile, commerciale et sociale, 130 affaires de plateforme. Bon, les décisions qui sont rendues par ces cours d'appel concernent toujours ces sociétés, Uber, Le Cab, Bolt, Deliveroo, Take It Easy, celles qu'on a vues après pour certaines dans des pourvois devant la Cour de cassation. Mais on est quand même un peu toujours dans les mêmes secteurs d'intermédiation, des mobilités, alors qu'on pourrait imaginer des procès identiques dans de nombreux autres secteurs où le procès se présenterait dans des formes assez semblables ou comparables. Alors, il serait intéressant de faire une étude mais ça, il faut y procéder, il faut avoir les moyens de dépouiller ces 130 décisions, et de regarder exactement ce qui a été décidé par les cours d'appel, comment le procès s'est engagé. Là, on le voit assez bien, c'est toujours des demandes de requalification, en réalité, pour l'essentiel du contrat, mais quelles décisions ont été rendues, est-ce qu'on a eu des contentieux sériels ou pas, avec plusieurs salariés ou pas. Ça, évidemment, ce sont des points aveugles sur lesquels on aimerait bien avoir des analyses, des études, mais ça prend du temps d'y procéder. Pour ce qui est des juridictions du premier degré, je vais conclure prochainement, rapidement. La Cour de cassation ne dispose pas à ce jour de base de données qui permet de relever l'ensemble des décisions rendues ni de connaître les litiges qui sont actuellement en cours devant les conseils de prud'hommes, mais on a pu obtenir quelques renseignements par les greffes qui confirment un peu ce que vous avez vous-même obtenu, c'est-à-dire pour le conseil de prud'hommes de Paris, actuellement en attente 430 dossiers qui sont orientés en formation de départage. J'ai cru entendre l'autre jour que vous vous interrogiez sur ce point-là. Si vous le souhaitez, on pourra vous fournir une explication, enfin autant qu'on le peut, mais au moins sur cette procédure de départage sur laquelle nous n'avons pas la maîtrise. Et s'agissant du conseil des prud'hommes de Lyon, on voit bien que ces affaires sont réparties sur 3-4 grandes juridictions en France. Ça, on a pu l'observer. On est sur 3-4 grands conseils de prud'hommes qui recueillent la grande majorité des demandes. Je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, je ne veux pas dire d'inexactitude. Le conseil des prud'hommes de Lyon, 139 dossiers de requalification, des jugements qui ont été rendus, qui ont requalifié la relation contractuelle dans des affaires Uber, par des jugements du 20 janvier de dernier, 2023, c'est assez récent, et 104 demandes sont en attente de jugement devant ce même conseil de prud'homme de Lyon. Donc là, on a manifestement ce qui ressemble à du contentieux sériel.
on n'a pas regardé de plus près, mais c'est probablement des contentieux qui intéressent. C'est les mêmes sociétés, c'est Uber. Et je voulais également signaler que la nomenclature des affaires civiles, c'est-à-dire la nomenclature qui décrit les affaires enregistrées devant les juridictions civiles, qui est une nomenclature du ministère de la Justice, comprend un poste qui permet de suivre l'évolution des demandes de requalification du contrat de travail par siège de conseil de prud'homme. Et bien que les statistiques qui sont produites par le ministère ne permettent pas d'identifier les demandes dirigées contre des plateformes, je pense qu'il serait possible d'observer s'il y a des pics annuels devant certains conseils et de prud'hommes et de vérifier auprès de ces derniers s'il y a des demandes sérielles, comme je l'ai dit, dirigées par plusieurs travailleurs contre une même plateforme. Et en tout état de cause, le nombre maximum de demandes de requalification, lui, est disponible. On en a eu 1700 en 2021 devant les conseils de prud'hommes, demandes de requalification du contrat de travail, qui a donc un nombre maximum de demandes dans lesquelles pourraient figurer des demandes concernant les plateformes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 1700 demandes qui concernent les plateformes. C'est un chiffre maximum. Au plus, il y a eu en 2021 1700. Vous voyez, c'est une information relativement imprécise. Mais ça donne tout de même un ordre de grandeur. Et il serait possible également, je pense, à partir des statistiques produites par le ministère, de produire une statistique par siège de conseil sur les résultats des demandes, c'est-à-dire le nombre de demandes acceptées, rejetées, sur le nombre de décisions rendues par une formation de départage. Ce sont des données qui peuvent être produites par la sous-direction de la statistique du ministère de la Justice, qui exploite le répertoire général civil de la chancellerie, tenu par l'administration centrale. Voilà. Je veux conclure en vous disant que nous avons vu que cette qualification du contrat de travail dépend très étroitement d'éléments factuels, donc, dont la preuve n'est pas toujours facile à apporter, dont l'appréhension est diverse par différentes juridictions, et la diversité de ces décisions qui ont été rendues, y compris par nous d'une certaine manière, montre qu'il n'est pas possible de généraliser la réponse judiciaire qui sera apportée et qui génère une certaine insécurité juridique et économique pour les travailleurs et pour les plateformes. Et je pense que cette disparité de solutions s'explique par les raisons que j'ai commencé à esquisser un peu. Je ne dis pas que c'est une mauvaise approche ou une bonne approche. Elle présente des avantages, y compris en termes de sécurité, parce qu'elle s'inscrit dans une définition précise et ancienne et claire du contrat de travail et de ses éléments constitutifs. D'un autre côté, elle conduit à des solutions qui sont des solutions, même s'il y a assez peu d'affaires en définitive, mais qui sont des solutions qui pourraient être regardées comme disparates. Et la question, évidemment, qui nous est posée, qui vous est posée, dépasse le cadre strictement national, et il serait sans doute utile, il est utile, je pense que Jean-Guy Huglot va dans un instant vous en dire un mot, de comparer les solutions retenues en France avec celles qui ont été adoptées par d'autres pays européens, et puis de prêter une attention aussi toute particulière aux réflexions qui sont actuellement en cours et conduites au sein de l'Union européenne et au Parlement européen. Voilà. Pardon d'avoir été un peu long dans mon propos. Et si vous en êtes d'accord, on peut demander au doyen Huglot de prendre la parole. Ouais. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça fait 12 ans que je suis à la Chambre sociale, donc j'ai pu voir l'émergence des travailleurs de plateforme, puisque Uber s'est installé en France en janvier 2012. Et donc, à partir des années 2013-2014, j'ai commencé à voir dans les colloques universitaires évoquer la question des travailleurs de plateforme, essentiellement Uber, et également la société Tech Eat Easy, qui était installée essentiellement en Belgique et en France. Il s'agissait de livreurs de repas à vélo. Et tout de suite, évidemment, les universitaires ont posé la question de savoir est-ce que ce sont des salariés et est-ce qu'il ne faudrait pas que la Cour de cassation fasse évoluer le critère du contrat de travail qui est, depuis 1996, on vous l'a dit, le lien de subordination. D'ailleurs, l'Association française de droit du travail, en 2014-2015, avait créé un groupe de travail pour réfléchir sur la notion de contrat de travail. Lorsque nous avons été amenés à statuer, c'est-à-dire en novembre 2018, avec la question de la société Tech Eat Easy, qui a été déclarée en liquidation judiciaire, et donc les livreurs à vélo ont reçu sur leur smartphone un SMS leur disant que la société cessait ses activités,
et n'ont pas été payés, évidemment, des courses en cours du mois, et bien évidemment ne pouvaient pas obtenir la garantie de l'AGS, puisque par définition, l'AGS ne garantit que les créances salariales. D'où les actions en requalification en contrat de travail qui ont été introduites et qui sont parvenues jusqu'à nous. À ce moment-là, il a fallu qu'on réfléchisse à une question fondamentale, qui est que à peu près 60%, j'évalue à peu près 60% du code du travail, les dispositions qui sont couvertes par des directives de l'Union européenne. Il y a à peu près une trentaine de directives de l'Union européenne en matière de droit du travail. Donc, il faut aller voir si la notion de travailleur qui se trouve dans ces directives est une notion autonome, c'est-à-dire définie par le droit de l'Union européenne lui-même, ce qui signifie que les États membres ont absolument perdu toute marge de manœuvre quant à la définition du travailleur salarié, que ce soit le législateur ou les juridictions nationales, ou si au contraire il s'agit d'une notion renvoyée pour sa définition au droit national de chaque État membre. Donc, j'ai travaillé un certain nombre d'années à la Cour de justice de l'Union européenne, donc je connais bien ce genre de questions. Quand est arrivé l'arrêt Tetisi, il a fallu que je fasse le travail consistant à examiner la trentaine de directives pour voir si c'était une notion autonome de travailleur ou une notion renvoyée au droit national de chaque État membre. C'est ce travail que la Commission européenne va faire à partir de 2020 et qui va d'ailleurs donner lieu à la proposition de directive que vous connaissez. En fait, j'ai constaté que pour la quasi-totalité des directives, il y avait un renvoi au droit interne de chaque État membre, sauf deux directives. La directive de 89 sur santé et sécurité des travailleurs au travail, donc c'est celle qui institue l'obligation de sécurité, qui semble donner une définition autonome du travailleur, et surtout la directive de 2003 sur le temps de travail et les congés payés, qui est une directive extrêmement importante que la Chambre applique tous les jours. Et là, il est clair que c'est une notion autonome de travailleur, parce que ça résulte de la jurisprudence établie de la Cour de justice de l'Union européenne, qui dit que c'est une notion définie par le droit de l'Union européenne et qui donne une définition de qu'est-ce qu'un travailleur salarié au sens de cette directive. Et par chance, il se trouve que cette définition, c'est la même que la nôtre, c'est-à-dire le lien de subordination, en sachant que l'appartenance à un service organisé peut être un indice, mais n'est pas un critère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'y avait que ça, c'est insuffisant. Parce que ce n'est pas le critère, mais en revanche, c'est un indice, c'est-à-dire qu'accompagné d'autres éléments d'indice de subordination, ça permet de retenir la requalification. Donc, dès l'arrêt Tetisi, nous en avons conclu que nous ne pouvions pas changer le critère du contrat de travail et qu'on était obligé d'en rester au lien de subordination parce qu'on ne peut pas imaginer au sein de la même relation de travail deux critères différents définissant le salarié. Vous prenez l'exemple qui est quasiment caricatural des congés payés. Vous avez 4 semaines de congés payés qui viennent de la directive de 2003 qui sont d'origine européenne pour lesquelles nous sommes tenus d'appliquer le critère de la Cour de justice, c'est-à-dire le lien de subordination. Et vous avez une 5e semaine de congés payés qui est d'origine purement nationale, qui a été ajoutée par le législateur national. Si nous changions le critère en droit français, on se retrouverait avec le critère européen pour les 4 premières semaines et le critère national pour la 5e, ce qui, évidemment, est absolument ingérable, d'autant que les salariés français, quand ils prennent leur congé payé, ne se posent pas la question de savoir si ce sont les 4 semaines d'origine européenne ou la 5e semaine d'origine purement française. Donc on ne peut pas avoir deux notions différentes de salariés pour une même relation de travail, suivant qu'on est ou pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que dans l'arrêté Tetisi, on en est resté au lien de subordination. Ça n'a pas été extrêmement difficile de requalifier dans la mesure où, dans cette application, il y avait d'abord une obligation pour le livreur de se préenregistrer sur des shifts, c'est-à-dire de dire que tel jour à telle heure il sera disponible. Et s'il n'avait pas un certain volume de courses effectuées, il ne pouvait pas s'enregistrer sur les heures intéressantes, c'est-à-dire le soir et le week-end, là où évidemment le nombre de courses pour livrer des repas est le plus important. Si donc il n'avait pas un certain nombre de courses, il avait un strike, qui en anglais signifie une tape sur l'épaule, c'est-à-dire ou sur la tête une réprimande.
Si, alors qu'il s'était enregistré, il était no-show, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas connecté, il avait des strikes. Si il livrait le repas avec plus d'un quart d'heure de retard, il avait des strikes. Si il y avait un problème comportemental avec un client ou avec le restaurateur, il avait des strikes, etc. Et à force de cumuler des strikes, son compte était finalement clôturé. Donc évidemment, nous n'avons pas eu de mal à analyser tout ça comme étant des ordres et des directives dont la plateforme contrôle le respect et un système de sanctions, donc, nous avons qualifié en s'arrêtant là. Après l'arrêt Take It Easy, est arrivé un événement que, à ma connaissance, vous devez connaître, qui nous a conforté dans l'idée que nous ne pouvions pas changer le critère du contrat de travail comme étant le lien de subordination, qui est que dans la loi d'orientation des mobilités de 2019, il était prévu la possibilité pour les plateformes d'élaborer une charte facultative régissant leurs relations avec les travailleurs de plateforme, et il était prévu que si la plateforme avait élaboré cette charte, le juge judiciaire, donc en l'espèce le juge prud'homal, était privé de la possibilité de requalifier en contrat de travail. Cette disposition n'est jamais entrée en vigueur pour la raison simple, c'est qu'elle a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision, qui est la décision numéro 2019-794-DC du 20 décembre 2019, qui a considéré que le législateur ne pouvait pas ainsi renvoyer à la plateforme le soin de définir des droits et obligations en matière civile et qu'il ne pouvait pas priver le juge de son pouvoir de requalifier en contrat de travail dès lors qu'il constatait l'existence d'un lien de subordination. Donc nous en avons déduit qu'indirectement, le lien de subordination avait été constitutionnalisé par le Conseil constitutionnel puisque le Parlement est censuré pour avoir interdit au juge judiciaire de requalifier en contrat de travail en présence d'un lien de subordination. Ce qui fait que, évidemment, dans l'arrêt Uber que vous connaissez, l'arrêt de plénière de chambre du 4 mars 2020, nous en sommes aussi restés au lien de subordination, mais nous avons eu égard également à l'indice qu'est l'appartenance à un service organisé. Et alors cet indice d'appartenance à un service organisé, il était d'autant plus facile à constater que la Cour de justice de l'Union européenne, à deux reprises, l'avait indirectement constaté, même si ce sont des arrêts qui ne concernent pas le droit du travail, mais qui sont néanmoins intéressants. Vous savez qu'un certain nombre d'États membres, dont la France, ont pris des législations pour réglementer l'activité des chauffeurs de VTC. La loi Grand-Guillaume en France, il y a eu une loi identique en Espagne. La société Uber a contesté ces législations en invoquant la libre prestation des services. La difficulté est que dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ancien traité de Rome, il y a une différence entre la libre prestation des services régime général, qui est libéralisé depuis 1970 et qui est d'effet direct, donc ça veut dire qu'un particulier peut l'invoquer devant un juge national pour voir écarter une législation nationale qui constituerait une entrave à la libre prestation des services. Et par contraste, il y a la libre prestation des services en matière de transport, qui, elle, n'est pas d'effet direct, n'a pas été libéralisée en 1970, et qui est libéralisée règlement européen par règlement européen, en commençant par le transport aérien, puis après le transport routier de marchandises, puis le transport ferroviaire, etc. Donc, la question était de savoir, est-ce que la société Uber est une entreprise générale de droit commun, une entreprise numérique, auquel cas elle peut invoquer la libre prestation des services qui est d'effet direct, ou est-ce qu'au contraire, c'est une entreprise de transport, auquel cas elle ne peut pas invoquer la libre prestation des services en matière de transport, puisqu'il n'y a pas encore de libéralisation générale en la matière. Donc évidemment, la société Uber se présentait comme une pure entreprise du numérique, et des gouvernements dont les lois étaient contestées disaient « mais pas du tout, c'est une entreprise de transport ». La Cour de justice, du coup, a examiné la relation entre la société Uber et les chauffeurs de VTC pour conclure qu'en fait, c'était bien une entreprise de transport et que le chauffeur était intégré dans un système global de transport. Donc, évidemment, cet élément-là, dans notre réflexion, était extrêmement important, mais nous avons constaté également un certain nombre d'autres indices
de lien de subordination, à savoir le fait qu'à l'époque, le chauffeur ne connaissait pas la destination de la course, il ne connaissait que le prénom du passager et sa localisation. Il y avait l'interdiction de demander les coordonnées personnelles du passager, c'est-à-dire ni son nom de famille, ni son numéro de téléphone, pour ne pas pouvoir se constituer une clientèle personnelle. Dès que le chauffeur, qui avait 8 secondes pour accepter une course, avait 3 refus de course, ou dès la première annulation d'une course déjà acceptée avant que le chauffeur se trouve devant le passager, il y avait une micro-sanction de déconnexion pendant 10 minutes. Il y a toujours d'ailleurs des corrections tarifaires, c'est-à-dire que même si le chauffeur prend un autre itinéraire que celui recommandé par l'application, de toute façon, le prix de la course est déterminé sur la base de l'itinéraire de l'application et le prix de la redevance est calculé sur celui de l'itinéraire prévu par l'application. Il y a des sanctions de suspension du compte, soit temporaire, 15 jours par exemple, soit définitive, notamment en fonction de la question des feedbacks, c'est-à-dire les notes que les passagers délivrent après la course. Il faut avoir une certaine moyenne qui varie suivant les villes considérées d'ailleurs. Quand on regarde d'ailleurs les terms and conditions de la société Uber, 50 pages de clauses contractuelles que j'ai épluchées, qui sont très intéressantes, il y a aussi la capacité de prendre des sanctions en cas de conduite inappropriée, parce qu'évidemment, l'application et la géolocalisation permet à Uber d'identifier le chauffeur qui freine trop brutalement, qui circule trop rapidement dans Paris, et de prendre des sanctions à cet égard. Donc évidemment, cet ensemble d'éléments, d'indices, nous a conduit à requalifier donc en contrat de travail. Alors, nous avons donc été la première Cour suprême d'Europe à statuer sur la question, mais nous avons été rejoints par les autres Cours suprêmes d'Europe. Et là, c'est le second point de mon propos, ce ne sera pas le deuxième, je vous rassure. Donc, c'est quand même très intéressant de voir que toutes les cours suprêmes d'Europe qui se sont exprimées ont adopté la même solution. En fait, il y a eu donc l'arrêt de la Corte Suprema di Cassazione italienne, donc la Cour de cassation italienne, qui est du 14 novembre 2019 et qui concerne la société Foodora. Donc Foodora, c'est également des livreurs à vélo. Et c'est très intéressant dans cet arrêt, c'est que le législateur italien, lui, est intervenu en 2015 avec un decreto legge, qui est un décret législatif, c'est l'équivalent des ordonnances prises sous loi d'habilitation du Parlement. Donc un décret-loi, si l'on peut dire, de 2015, numéro 81, qui s'intitule dans le texte Jobs Act, et qui assimile aux salariés, qui en droit italien sont définis par le lien de subordination, tous les travailleurs qui sont sous un régime dit de hétéro-organizzazione, c'est-à-dire hétéro sans H, c'est une organisation dictée par quelqu'un d'autre. C'est le mot d'origine grecque, évidemment. Et donc, ça a permis d'inclure les travailleurs des plateformes. En fait, ça ressemble beaucoup à notre critère d'appartenance aux services organisés. En sachant qu'il y a eu un débat en doctrine italienne et devant les juridictions italiennes pour savoir si tout le code du travail italien était applicable pour ces salariés assimilés ou seulement une partie du code du travail italien. La Cour d'appel de Turin avait dit seulement une partie du code du travail est applicable et notamment le droit du licenciement n'est pas applicable à ces travailleurs assimilés salariés. Je confesse que je ne vois pas très bien pourquoi le droit du licenciement ne serait pas applicable dans la mesure où, en l'état actuel des choses, on sait très bien, pour préparer l'audience dans l'affaire Uber, j'ai eu la curiosité de regarder les blogs des chauffeurs Uber, il y en a une vingtaine facilement accessibles, c'est extrêmement intéressant d'aller voir ce qu'ils racontent.
Uber clôture un compte sans préavis et sans motivation, évidemment. Et puis, parfois, eux-mêmes disent « j'ai pas l'impression d'avoir violé mes obligations contractuelles » et ils ne savent pas pourquoi le compte a été clôturé. En revanche, je veux bien admettre, il me semble qu'il y a au moins quelques difficultés sur certaines parties du droit du travail, pour la bonne raison, c'est que la caractéristique essentielle des travailleurs de plateforme, c'est que ce sont des travailleurs qui décident quand ils vont travailler. Et d'ailleurs, les universitaires, pour ceux qui ont critiqué notre arrêt Uber, disaient « mais la Cour de cassation a inventé des salariés qui décident quand est-ce qu'ils vont travailler ». En sachant qu'il faut être très précis sur notre arrêt, nous n'avons jamais dit qu'il y avait un contrat de travail global entre Uber et ses chauffeurs. Pour la bonne raison, c'est que vous pouvez très bien télécharger l'application et ne jamais vous connecter, ne jamais faire de course, il n'y aura aucune conséquence et Uber ne prononcera aucune sanction. Donc, la seule chose que nous avons dite, c'est que quand le travailleur est connecté et qu'il est à la disposition pour accepter des courses, il est en lien de subordination. Alors, ce qui est certain, c'est que compte tenu de cette particularité, que c'est eux qui décident quand ils vont travailler, toute la législation sur le travail à temps partiel est un peu en porte-à-faux, parce que c'est une législation très formaliste qui est faite pour que le salarié sache quand il doit travailler, à quel jour de la semaine et quelle plage horaire de la journée pour pouvoir, le cas échéant, cumuler avec un autre emploi. Mais comme là, c'est le travailleur de plateforme qui décide lui-même quand il va travailler, c'est évidemment un peu difficile. Et puis le second aspect, c'est tout ce qui concerne la législation sur le CDD, sur le contrat à durée déterminée, pour la même raison. D'ailleurs, dans notre affaire Uber, le travailleur demandait la requalification de 6 000 CDD, en considérant que chaque période de connexion était un CDD de quelques heures. Bon, mais à part ça, je ne vois pas très bien forcément ce qui pose problème par ailleurs. Toujours est-il que la Cour de cassation italienne n'a pas été de cet avis. Elle a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Turin et elle a considéré que l'ensemble du Code du travail italien était applicable, tout en disant, je vous traduis littéralement, c'est le paragraphe 41, on ne peut pas exclure des situations dans lesquelles l'application intégrale des règles de la subordination soit ontologiquement incompatible avec les particularités présentes, mais il s'agit de questions sans pertinence dans l'affaire soumise à l'examen de la Cour. Ça veut dire, pour le moment, je statue sur les questions de principe. On verra ultérieurement les questions d'exécution pratique. Alors, il y a une seconde décision qui est celle du Tribunal Supremo espagnol du 25 septembre 2020, qui concerne la société Lovo. Lovo, ce sont des livreurs à moto, dans Madrid, de repas également. Alors là, également, ça a été une requalification en contrat de travail, d'autant plus facilement qu'en droit italien, en droit espagnol, pardon, le critère n'est pas exactement celui du lien de subordination, c'est plutôt celui de l'appartenance à un système entrepreneurial. Donc ça ressemble beaucoup à l'appartenance à un service organisé. L'arrêt est très intéressant parce que les magistrats du Tribunal Supremo examinent l'état de concurrence dans lequel se trouvent les travailleurs. Ça, c'est un élément essentiel des travailleurs de plateforme, c'est-à-dire qu'ils ont un certain rang pour se voir proposer des courses. Évidemment, ceux qui auparavant se sont connectés beaucoup plus souvent durant ce qu'ils appellent les horas diamante, c'est-à-dire les heures diamants, donc les heures où il y a beaucoup de courses, donc évidemment toujours celles des repas le soir et celles des week-ends, ont plus de chances d'avoir un rang intéressant dans l'ordre et du coup de se voir proposer des courses. Donc le Tribunal Supremo dit, mais en fait, en théorie, ils ne sont pas obligés de travailler, mais en pratique, ils sont bien obligés de le faire s'ils veulent pouvoir être éligibles assez facilement à un certain nombre de courses. Et puis, évidemment, il y a eu le dernier, qui est l'arrêt de la UK Supreme Court dans l'affaire Uber, également, qui est du 19 février 2021, alors qui prononce la requalification en « worker », étant entendu qu'en droit du Royaume-Uni, il y a trois statuts, en fait. Il y a le statut de employee, qui est celui de salarié, le statut de worker, qui est un statut, alors on dit un statut intermédiaire, c'est en fait un statut très proche de celui du salarié. D'ailleurs, la définition,
c'est que c'est un travailleur qui est sous un lien de subordination, mais qui n'est pas titulaire formellement d'un contrat de travail écrit avec une mention au contrat de travail. En sachant, dans la jurisprudence britannique, le lien de subordination pour le worker est apprécié de manière un peu plus souple que pour le employee. Et ensuite, vous avez évidemment les travailleurs indépendants. Alors, les chauffeurs Uber eux-mêmes n'ont absolument pas demandé la requalification en employee. Pourquoi ? Eux-mêmes ont demandé seulement à être connus comme worker pour deux raisons. La première, c'est que le statut fiscal et le statut social, je parle des cotisations de sécurité sociale, est plus favorable pour les workers que pour les employees parce que la taxation est plus faible. Donc, ils n'avaient pas d'intérêt à demander à être qualifiés en salariés. Et puis, la seconde raison, c'est que la grande différence entre les deux statuts, c'est que les workers ne bénéficient pas de la protection contre le licenciement. Sauf que même les salariés britanniques, les employees, bénéficient certes de la protection contre le licenciement, ce qu'ils appellent le unfair dismissal, mais il faut avoir 2 ans d'ancienneté. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 2 ans d'ancienneté, même comme salarié, l'employeur peut vous licencier sans avoir l'obligation de démontrer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Comme le turnover des chauffeurs Uber est très important, ça n'avait pas grand intérêt pour eux. Donc la requalification demandée visait seulement le statut de worker. Alors l'arrêt de la Supreme Court est très intéressant parce qu'il reprend les mêmes indices que ceux qui figuraient dans nos arrêts. D'ailleurs, ils en avaient connaissance, puisque l'arrêt était traduit en anglais et était disponible sur le site de la Cour dès le jour de son prononcé. Les juges britanniques rajoutent un autre élément qui est typique de sociétés anglo-saxonnes, qui sont des sociétés fondées sur le contrat, alors que nous, on est plutôt une société fondée sur la loi. Et ils examinent une notion très importante chez les juges et les juristes britanniques, qui est la capacité de négociation contractuelle. Quel est le pouvoir de négociation contractuelle ? Et évidemment, il conclut que la capacité de négociation contractuelle des chauffeurs Uber est absolument inexistante, puisque l'application ne cesse pas de changer. Les terms and conditions changent aussi, et c'est évidemment en dehors de toute négociation. Lorsque nous avons travaillé sur le dossier Uber devant nous, j'ai regardé donc les terms and conditions, 50 pages. Il n'y a pas une clause sur le montant de la redevance. C'est-à-dire que la redevance, elle est en dehors du champ contractuel et Uber peut la baisser comme elle le souhaite, de manière complètement discrétionnaire, puisque c'est en dehors de toute négociation. 15 jours après l'arrêt de la Supreme Court, la société Uber a reconnu à l'ensemble de ses chauffeurs la rémunération minimale et les congés payés, spontanément, si l'on peut dire. Pourquoi ? Parce qu'au Royaume-Uni, on ne connaît pas l'autorité relative de la chose jugée, mais au contraire, on connaît le contempt of court, c'est-à-dire l'outrage à la cour, ce qui signifie que les principes définis par la Supreme Court doivent être appliqués par la société Uber à tout justiciable se trouvant dans la même situation, donc à tous les autres chauffeurs. Et si un chauffeur est obligé de saisir un tribunal pour se voir reconnaître la rémunération minimale et les congés payés, on n'entendra même pas la société Uber dans sa défense, puisque de toute façon, ça sera pour dire la même chose que ce qu'elle a déjà dit devant la Supreme Court, et on considérera que le délit d'outrage à la cour est constitué. Évidemment, c'est un grand contraste avec la situation française, puisque nous, notre arrêt Uber, malgré le retentissement médiatique qui a été le sien, est limité par l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire qu'il requalifie uniquement pour le chauffeur en cause dans notre procédure. Et que, jusqu'ici, les 30 000 chauffeurs Uber sont des travailleurs indépendants, sauf à saisir une juridiction prud'homale et à obtenir une décision irrévocable, c'est-à-dire dont les voies de recours sont expirées, qui du Conseil de prud'homme, qui de la Cour d'appel. Par ailleurs, vous savez qu'en droit français, non seulement nous connaissons l'autorité relative de la chose jugée, mais nous connaissons aussi le droit de résistance des cours d'appel, et nous connaissons également, ce qu'il ne faut pas confondre avec le droit de résistance,
qu'il y ait le droit de rébellion, c'est-à-dire la possibilité pour la Cour d'appel de renvoi en cas de cassation de ne pas appliquer l'arrêt de la Cour de cassation, y compris sur les points de droit qui viennent d'être tranchés. Nous sommes la dernière Cour suprême d'Europe à connaître ce système de droit de rébellion. Nos amis belges qui le connaissaient, puisque leur Cour de cassation était régie par les mêmes textes d'origine napoléonienne que nous, l'ont supprimé en 2017. Je termine donc sur ce contraste aujourd'hui entre la situation des chauffeurs Uber en France et au Royaume-Uni. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs, oui, beaucoup d'éléments vous ont d'ores et déjà été communiqués. Je serai donc assez brève en me permettant d'insister sur quelques points avant d'évoquer les décisions les plus récentes. Bon, tout d'abord, on vous a déjà dit le support légal des demandes et des décisions rendues et l'article L8221-6 du Code du travail qui pose donc une présomption légale de non-salariés pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux et auprès des URSSAF, comme travailleurs donc non-salariés. Cet article figure dans la 8e partie du Code du travail qui est consacrée au contrôle de l'application de la législation du travail, livre 2, lutte contre le travail illégal, section 3, travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés. Cet article ne concerne pas exclusivement les travailleurs de plateforme, mais l'ensemble en fait, des travailleurs indépendants qui vont considérer au cours de l'exécution d'un contrat que celui-ci doit être requalifié en contrat de travail. Ce peut être par exemple un consultant qui va estimer que le contrat qui le lie à son donneur d'ordre n'est pas un simple contrat de prestation de service, mais que le lien entre ce donneur d'ordre et lui est tel qu'il y a lieu de le considérer comme un salarié. Et s'agissant d'une présomption simple, elle peut être renversée par la preuve que l'intéressé était lié par un contrat de travail, et c'est donc sur ce fondement que les juridictions judiciaires sont saisies. Le deuxième point, il a déjà été évoqué, mais je souhaitais le rappeler, donc c'est essentiellement sur les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle que nous allons, que les juges du fond et nous par la suite allons juger les demandes en requalification, ce qui oblige donc les juges du fond, tant de première instance et d'appel, d'examiner et de façon très précise les éléments de fait et de preuve qui sont produits à l'appui des demandes de requalification de contrat de travail pour notamment définir donc ce fameux lien de subordination dont on vous parle depuis quelques instants. Alors c'est ce troisième point qui va m'amener à vous parler des décisions récentes. Il a déjà été précisé que ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Et pour y parvenir, il y a lieu d'appliquer la méthode dite du faisceau d'indices, donc révélant certaines contraintes imposées pour l'exécution de ce travail. Et on vous a donné des exemples, je n'y reviens pas. Alors, concernant ce faisceau d'indices et ces critères, la Chambre sociale considère également que l'appréciation des éléments de fait qui permettent de révéler l'existence d'un lien de subordination est laissée au pouvoir souverain des juges du fond. Mais elle contrôle si les éléments recherchés par les juges du fond sont propres à caractériser un lien de subordination. Et pour illustrer ce contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des cours d'appel, l'un des exemples qui a déjà été évoqué, c'est l'arrêt Le Cab Voxture donc, du 13 avril 2022. Et c'est vrai que cette société ressemble beaucoup à la société Uber et on a pu s'étonner qu'éventuellement la Cour de cassation rende un arrêt qui était dans un sens différent. Mais notre chambre a pointé, ça a déjà été évoqué par M. le Président Sommer, notre chambre a voulu pointer l'insuffisance de la motivation de la Cour d'appel, mais n'a pas remis du tout en cause la jurisprudence issue de l'arrêt Uber qui vient d'être évoquée. La Cour d'appel a relevé dans l'arrêt Voxture des contraintes pesant sur le chauffeur, notamment économiques, mais elle n'a pas relevé ce qui importe, les directives qui étaient adressées au chauffeur sur les modalités d'exécution du contrat de travail, ni le fait que l'entreprise disposait du pouvoir d'en contrôler le respect ou éventuellement de sanctionner.
Et le message qu'a voulu adresser la Cour de cassation au moment de l'arrêt Le Cab, Boxtur, c'est de rappeler aux juges du fond leur obligation d'examiner chaque cas d'espèce, car compte tenu des différentes clauses contenues dans les contrats proposés par les plateformes et surtout leur caractère évolutif, la Chambre sociale a souhaité souligner que, en fait, les juges du fond ne pouvaient adopter une motivation type et qu'ils devaient, à chaque dossier de demande de requalification de contrat, examiner la situation au regard des principes rappelés il y a quelques instants quant à la détermination du lien de subordination. Nous avons d'ailleurs récemment statué dans ce sens, c'est-à-dire en estimant que la motivation de la Cour d'appel ne pouvait aboutir à la solution proposée, mais alors là, dans le sens contraire, puisque dans l'arrêt Boxtur, il y avait eu une requalification au contrat de travail, cette fois dans un arrêt Uber du 25 janvier 2023, il y a eu un refus de requalification par la Cour d'appel. Elle avait notamment rejeté la demande de requalification en constatant notamment que la société Uber donnait des directives, fixait les tarifs, contrôlait l'exécution de la relation de travail par une mise hors ligne et avait donc un pouvoir de sanction qu'elle avait exercé en désactivant le compte du chauffeur pendant plus de 2 semaines en raison d'un taux élevé d'annulation. Et nous n'avons donc pas approuvé cette motivation puisque c'était des critères de lien de subordination et nous avons dit qu'il résultait des constatations de la Cour d'appel, l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle de l'exécution de la prestation, ainsi qu'un pouvoir de sanction à l'égard du chauffeur, qui étaient des éléments donc caractérisant le lien de subordination. Et donc, nous avons dit, comme pour l'arrêt Boxtur, que la Cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ces constatations. Les juges du fond, en effet, ne peuvent pas constater que la plateforme a le pouvoir de donner des ordres, des directives, et en déduire ensuite qu'il n'y a pas lien de subordination. J'en terminerai par l'arrêt Bolt, qui est donc rendu aujourd'hui 15 mars. Alors, c'est aussi une société qui ressemble à l'arrêt Uber, puisqu'elle est une plateforme de mise en relation de clients souhaitant bénéficier de transport VTC. Alors, cette décision s'inscrit dans le droit fil de l'arrêt Uber de 2020. La motivation de la Cour d'appel a donc été approuvée par cet arrêt, dès lors qu'elle avait constaté que l'intéressé... Alors, donc, je vais lister un peu ce qu'elle a constaté, ce qui vous donne les critères retenus et les indices. Qu'elle était intégrée donc dans un service organisé par la plateforme, au sein duquel la seule clientèle qu'il pouvait obtenir en se connectant sur l'application était celle que celle-ci lui attribuait, sans même connaître la destination de la course, que des consignes lui étaient données par la plateforme en ce qui concerne l'organisation des courses, des trajets, des tarifs, la manière de se comporter avec les clients, que la plateforme pouvait, à son entière discrétion, suspendre son accès à la plateforme et le priver ainsi du libre choix de se connecter, qu'il n'était pas libre de se constituer une clientèle propre, s'agissant des directives, que le chauffeur ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation des courses, qu'il ne connaissait pas la destination finale de celle-ci, qu'il devait emprunter l'itinéraire le moins coûteux, ne devait pas faire d'arrêt, n'avait pas le choix des tarifs fixés par avance par la plateforme Bolt, calculés donc sur la base d'un tarif de base en fonction de la distance et de la durée du trajet déterminé par le système GPS. La société se réservant en outre le droit d'ajuster le tarif en cas de violation du choix d'un trajet plus court, que le chauffeur avait l'obligation de vérifier en amont si le client était bien propriétaire de ses moyens de paiement, de ne pas collecter de paiements supplémentaires de la part du client, ce qui interdit en pratique la méthode, enfin le pourboire, qui est quand même assez courant pour les chauffeurs indépendants. En ce qui concerne les sanctions, elle a relevé que la société Bolt pouvait à tout moment résilier de plein droit le contrat et pour toute raison dont l'appréciation était laissée à son entière discrétion. Et en cas de manquement du chauffeur à ses obligations telles qu'appréciées par Bolt, que la plateforme se réservait également le droit de bloquer immédiatement l'accès au service Bolt en cas de soupçon de manquement au contrat ou fraude,
ajoutant que l'intéressé avait d'abord subi des blocages de son compte en raison de l'annulation de la course par plusieurs clients et à cause d'une note moyenne trop faible, puis ensuite une suspension définitive. Nous avons donc approuvé cette motivation en disant que la Cour d'appel avait ainsi déduit de ces constatations un faisceau suffisant d'indices permettant à l'intéressé de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Bolt et de renverser la présomption simple de non-salariat de l'article L8221-6 du Code du travail en démontrant ainsi que la société Bolt lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l'exécution et avait exercé son pouvoir de sanction. Donc, nous avons repris dans cette réponse ce que je vous disais en introduction de mon propos, c'est-à-dire le renversement de cette présomption simple par la motivation de la Cour d'appel, qui était, vous l'avez vu, très riche au niveau des indices. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à vous trois. On a été très exhaustif et il nous reste assez peu de temps, mais je trouve que c'était quand même très utile d'avoir ces explications. Et en fait, je vois ma liste de questions ici. Vous avez anticipé quasiment toutes les questions dans vos propos. Et je sais qu'en plus, vous nous avez laissé un peu de lecture. Mais nous aurons peut-être d'autres questions à vous faire parvenir dans les prochaines semaines. Je suis sûr que la rapporteure et mes collègues aussi. Donc, je vais peut-être vraiment très rapidement mentionner un ou deux points qui me paraissent intéressants, mais vous en avez déjà parlé et peut-être que vous aurez l'occasion de revenir dessus dans des échanges que nous pourrons avoir. Mais en fait, ça m'intéresse aussi, vous avez parlé de la coordination, de la cohérence en fait entre les décisions des chambres, monsieur Sommer. Ce que je voudrais savoir, c'est dans quelle mesure, comment vous intégrez l'évolution en fait du statut par les plateformes, ou plutôt comment vous voyez la réponse des plateformes, pour reformuler, comment vous voyez la réponse des plateformes à cette jurisprudence? Est-ce que vous trouvez que on voit une évolution du rapport avec les chauffeurs? Il y a un certain nombre de points que vous avez mentionnés, le fait de ne pas connaître son tarif à l'avance, de ne pas connaître sa destination à l'avance, de ne pas connaître la destination. On voit que ça, par exemple dans le cas d'Uber, ça a évolué au cours des années, peut-être aussi en réponse à un certain nombre de décisions de justice. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que vous voyez une évolution, que celle-ci est prise en compte dans les décisions de la Cour? Est-ce que vous considérez, je crois connaître déjà votre réponse, que c'est encore insuffisant à ce stade? Et il y a les réponses d'Uber, et puis je voudrais parler aussi des réponses des pouvoirs publics, et notamment l'organisation du dialogue social au sein de la profession, notamment des VTC, des livreurs. On en a beaucoup parlé, la mise en place du dialogue social au sein de la HARP ces dernières semaines. L'un d'entre vous a parlé de la possibilité aussi pour les chauffeurs de pouvoir s'organiser, je crois que c'était notamment le débat au Royaume-Uni, de pouvoir s'organiser et négocier eux-mêmes leur propre contrat. On voit qu'il y a une évolution là-dessus en France, avec par exemple la question du tarif minimum qui a été négocié au sein de la HARP. Est-ce que ce dialogue social est de nature, selon vous, à pouvoir faire évoluer la jurisprudence sur les sujets dont on vient de parler? On doit malheureusement clore à 16h, donc je vous demanderai soit d'être bref, soit vraiment même de réserver en fait vos réponses à des réponses que vous pourrez nous envoyer par la suite. Et peut-être Madame la rapporteure qui peut poser en même temps, et comme ça vous prendrez tous ensemble. D'abord un grand merci pour l'ensemble de vos exposés. Moi j'aurais aimé vous poser plusieurs questions. D'abord, on est d'accord qu'à chaque fois que vous parlez de présomption de non-salariat, vous faites référence à la loi qui décrit le statut d'indépendant. C'est ça la base. Ne croyez-vous pas, du coup, que d'un point de vue du législateur, il serait important de légiférer pour pouvoir faire fermer une plateforme qui contrevient à ce point-là au respect du droit? Puisque si on a des plateformes qui se trouvent contraintes de requalifier en salariés
à chaque démarche, mais qui nécessite à chaque fois des démarches individuelles de travailleurs indépendants, enfin, qui sont donc dans le cadre de la présomption d'indépendance, il faut qu'ils fassent leur démarche au prud'homme pour pouvoir obtenir cas par cas la requalification en salarié, parce que de fait, le fonctionnement fait que ça ne s'applique pas à l'ensemble des travailleurs. N'y a-t-il pas nécessité de légiférer pour redéfinir à quelles conditions une plateforme est autorisée par l'État de pouvoir continuer à exister ou non ? Parce qu'on est là, sinon, dans une situation où les plateformes peuvent continuer de contrevenir au droit. Et à chaque fois, c'est donc aux travailleurs de pouvoir faire, de devoir faire ces démarches. Les choses vont sans doute changer par la directive européenne présomption de salariat lorsqu'elle sera retranscrite dans le droit français, puisque ce sera donc à ce moment-là aux plateformes de démontrer qu'elles ont des vrais indépendants. Donc ça, c'est un peu ma première série de questions. Oui, deuxième question, j'avais besoin de savoir et de comprendre, puisque nous remonte dans d'autres auditions, que beaucoup de démarches au prud'homme sont en départage au niveau de Paris, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres... comment on dit, dans d'autres juridictions, dans d'autres territoires, je ne sais pas quel est le bon terme, j'ai fait des études de psychologie, donc excusez-moi, même si évidemment nul n'est censé ignorer la loi, et encore moins une députée. Mais voilà, comment on explique qu'il y ait autant de départages sur Paris, comment on explique qu'il y a visiblement une telle difficulté au niveau des prud'hommes et dans les représentants patronaux d'acceptation à un moment donné de plaider et de, au contraire il renvoie à chaque fois en départage sur Paris, donc visiblement il n'y aurait pas les mêmes cadres de sentiments d'obligation des juges prud'homaux côté patronaux dans ces décisions de justice. Troisième question concernant la HARP, ce sera ma question complémentaire on va dire à celle du président avec un autre regard. Finalement, ne trouvez-vous pas que la HARP, enfin l'ARP, pardon, à chaque fois je dis la HARP, mais l'ARP, de fait, dans le cadre de ces discussions, exclut la question de la réqualification salariée. Et dans le dialogue social avec les travailleurs des plateformes, est en jeu la question de la tarification minimum, est en jeu la question des compensations, notamment des plateformes en termes d'obligations vis-à-vis des travailleurs, en termes de complémentaire santé ou en termes d'assurance. Et finalement, là, est-ce qu'on n'est pas dans un faisceau d'indices qui fait que d'une présomption d'indépendant, dans un cadre d'une relation commerciale, on organise une instance de dialogue social qui, soit du coup, vise finalement à créer de l'entente commerciale entre les plateformes qui siègent sur un même tarif, ce qui est assez original, soit finalement être un cadre légal, ou enfin les cadres qui devient légal puisque c'est une autorité publique pilotée par la direction du travail, voilà, mais qui de fait valide des faisceaux d'indices. Excusez-moi, j'ai toujours du mal, mais je veux bien que vous me redéfinissiez la différence que vous faites entre indices et critères, parce que je comprends bien que c'est extrêmement important pour vous au niveau du droit, mais je sens que je ne l'ai pas complètement maîtrisé. Mais finalement, vont valider en discutant de tarifs minimums, en discutant de compensations, vont aggraver finalement la relation de subordination tout en empêchant la requalification. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est quand même un paradoxe, je trouve, énorme. Et enfin voilà, je m'arrête là. On va prendre quelques minutes de plus, mais je vous demandais quand même d'être bref. Et vraiment, si vous considérez que vous devez répondre de façon plus exhaustive et détaillée, de nous faire parvenir dans les prochains jours par écrit vos réponses. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est le cas pour la plupart des questions que vous avez posées. Puis certaines d'entre elles ne relèvent pas véritablement de la Cour de cassation, en particulier la question sur le dialogue social, sa pertinence, son champ. Ce que je peux vous indiquer, c'est une information peut-être là qui est... Que vous devez avoir, c'est qu'on est saisi d'un recours contre les élections
Donc, il y a un pourvoi qui a été formé contre le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris en matière électorale, s'agissant du dialogue social dans ce secteur-là. C'est absolument pour l'art. Donc, c'est une information que je vous donne. Pour le départage, peut-être un mot sur ce sujet-là. Bon, on comprend bien pourquoi ces affaires-là viennent en départage. C'est que les conseillers prud'hommes salariés, les conseillers prud'hommes salariés et employeurs, un peu par principe, ou posent ce débat en termes de principe et refusent de s'accorder dossier par dossier sur le sujet. Donc, renvoie au juge professionnel, qui est le juge départiteur, le soin d'arbitrer, de trancher ces litiges. Par ailleurs, les juges, au moins sur Paris, départiteurs sont plusieurs, qu'ils se coordonnent, qu'ils cherchent à avoir une doctrine commune, pour autant qu'ils soient d'accord entre eux, n'est pas quelque chose qui nous paraît choquant. Nous, à la Cour de cassation, on sait que ce dialogue existe au sein du tribunal judiciaire entre les juges départiteurs. Je pense que ce pôle d'échange et de discussion, que chacun garde sa liberté, c'est le cas, ne nous pose pas de problème. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Pour le reste, sur la réponse des plateformes, en effet, c'est une question que vous aviez déjà posée, je crois, précédemment. On observe dans les quelques dossiers que nous avons des évolutions des contrats. Parce qu'on a un temps en retard quant au statut, et on statue sur des contrats qui ont plusieurs années, et on voit bien que les plateformes, semble-t-il, s'adaptent presque au jour le jour. Ça a été dit aussi pour l'Angleterre, mais pour d'autres raisons, pour le Royaume-Uni, il y a une adaptation qui se fait, et donc pour se mettre un peu en conformité avec les indices que nous donnons, mais qui sont des indices, précisément, des éléments de fait propres à la situation de telles plateformes, qui ne sont pas les critères juridiques abstraits sur lesquels dont nous déduisons l'existence d'un lien de subordination. Cette distinction entre le fait et le droit est extrêmement complexe, en effet. Voilà, pour ce qui me concerne, et si vous le souhaitez, on se rapprochera de votre équipe pour apporter des éléments complémentaires sur d'autres questions, sachant que pour certaines d'entre elles, elles relèvent davantage d'éléments d'opportunité. Et juste un élément sur votre réponse qui est très intéressante. Cette distinction que vous faites entre le fait et le droit et le fait que les décisions soient rendues sur des faits qui datent d'il y a quelques années, implique que chaque décision de justice, même si elle se ressemble ou s'accumule, chaque décision de justice est indépendante les unes des autres, qu'elle n'implique pas ni des conséquences générales en droit, ni des conséquences générales au législateur en ce qui concerne ce sujet comme tant d'autres. Toutes les décisions sont autonomes. C'est tout à fait exact sur le plan juridique. C'est la prohibition des arrêts de règlement. Maintenant, tout le sens de la jurisprudence, c'est effectivement d'avoir vocation à harmoniser les positions des juridictions du fond. Donc, c'est aussi la fonction, je le rappelais en introduction, de la Cour de cassation, de chercher cette cohérence et cette harmonisation, même si nous n'avons pas d'arrêt à portée générale, pas d'arrêt de règlement, pas d'arrêt qui a une autorité de la chose jugée absolue en France, c'est entendu. On a cette possibilité de rébellion des juges du fond, mais qui permet aussi, dans une certaine mesure, de stabiliser la jurisprudence. C'est un débat en soi, mais en effet, je réponds à votre question, que chaque arrêt dans le droit français correspond à la situation et au cas dont le juge est saisi. Oui, pour répondre un tout petit peu de manière plus concrète, en fait, l'arrêt Hubert, par exemple, de plénière de chambre du 4 mars 2020, il concerne une période d'emploi qui va du 12 octobre 2016 au mois d'avril 2017. Et l'arrêt Hubert, où nous avons réitéré la même solution le 25 janvier 2023, donc très récemment, il concerne en fait une période d'emploi antérieure, du 24 mars 2015 à mars 2016. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas vraiment répondre à votre question parce qu'on n'a pas encore été saisi de litige concernant un état de l'application qui aurait considérablement évolué. Je sais, mais je le sais en lisant la presse, les médias généralistes, qu'en effet, postérieurement à notre arrêt, désormais, si j'ai bien compris, Uber indique au chauffeur la destination de la course. Ce qui est en quelque sorte un progrès. Moi, ce qui me fascine, je dois dire, en regardant les blogs de chauffeurs, c'est que finalement, tout ce que la Chambre a retenu comme indice de subordination, c'est tout ce contre quoi les chauffeurs Uber protestent. C'est assez caractéristique, et notamment la liste de leurs revendications, c'est justement de mettre fin à tout ce que nous avons retenu, nous, comme étant indice de rémunération, dont les micro-sanctions de 10 minutes, les corrections tarifaires, un certain nombre de sanctions, etc. Voilà, mais pour le moment, comme cette jurisprudence est quand même à l'échelle jurisprudentielle récente, on n'a pas encore été saisi de d'état d'application et évolutive, si je puis dire.
C'était sur ces périodes d'activité, effectivement. Hein, lorsque nous sommes amenés à statuer, nous statuons plusieurs années après que les demandes aient été faites. Donc, par exemple, pour Voxture, c'était pareil. C'est pas Uber, mais c'était des 2015-2016. Donc, c'était une période également antérieure. Et pour Bolt, qui est le dernier arrêt, c'était de 2017 à 2019. Donc, c'est un peu plus récent, mais ce n'est pas la société Uber. Oui. Mais comme je vous l'ai dit lors de mon propos, c'est vrai qu'il y a une évolution des contrats au fur et à mesure. On le voit bien pour d'autres affaires, que ce soit des coursiers, par exemple. En une période de 6 mois, le contrat est différent. Donc, voilà. C'est en tout cas, les plateformes sont très soucieuses d'adapter, je pense, leurs dispositions contractuelles à l'évolution de la jurisprudence dans le pays où elles exercent leur activité. D'accord, ça c'est très intéressant. Les plateformes sont très soucieuses d'adapter leurs dispositions contractuelles en fonction de la jurisprudence. Je pense que c'est quand même un élément effectivement important du débat. Et juste une toute petite question de précision. Est-ce que ces délais sont inhabituels au regard d'autres types de dossiers ou ce sont les délais de décision Malheureusement non, parce qu'il faut compter quand même au minimum un an devant un conseil de prud'homme. Le problème en plus, c'est que ces plateformes exercent, on l'a dit, dans des grandes villes. Or, les chambres sociales des cours d'appel, des grandes cours d'appel, sont effondrées sous le poids du contentieux. Donc à Paris, c'est 2 ans pour traiter un appel au minimum. Donc du coup, le temps que ça vienne chez nous, il faut bien compter 4 ans. On statue rapidement, hein, pour une Cour suprême, on est parmi les Cours suprêmes d'Europe les plus rapides, mais il n'empêche qu'il faut que le temps que le litige nous vienne, il faut compter effectivement 4 ans dans le scénariat extraordinaire. En sachant quand même une précision qui peut-être est importante aussi, c'est qu'on vous a dit qu'il y avait à peu près, par exemple, 300 demandes saisies en requalification de chauffeurs Uber. Il y a 30 000 chauffeurs Uber en France, donc ça fait à peu près 1%. Donc ça peut paraître important, mais au regard du flux de contentieux général en droit du travail, hein, il y a 103 000 saisines de conseils de prud'hommes par an en France, ça représente un contentieux extrêmement marginal, en fait. Le contentieux VTC, pour vous, représente un contentieux extrêmement marginal ? C'est-à-dire que pour nous, 300 affaires sur 100 000 de saisines annuelles, évidemment, de toutes causes confondues, c'est très peu. Forcément, quand on a délibéré dans l'affaire Uber, on s'est posé la question de savoir quelles allaient être les conséquences de notre arrêt. C'est le rôle, évidemment, de la Cour suprême d'essayer d'anticiper. Et on se disait, mais finalement, il ne va pas y avoir de raz-de-marée parce que, en général, les travailleurs de plateforme, quand ils saisissent le juge, c'est parce qu'ils ont été déconnectés, que leur compte a été clôturé définitivement. Mais au regard du nombre de travailleurs de plateforme en France, si j'ai bien compris, toute application confondue, c'est autour de 120 000. Ça fait un contentieux finalement relativement faible en termes de volume. Même si ça peut vous paraître important, et c'est pour les juges qui ont à le traiter, mais c'est faible en volume. Donc il est impossible, Madame la présidente, je suis en train de parler. Donc il est impossible d'en tirer comme conclusion, selon vous, qu'il y ait une volonté générale dans la profession de demande de requalification. Je pense qu'il faut être assez prudent dans le commentaire. En valeur absolue, c'est ce qu'on observe. Bon, je parlais tout à l'heure des contentieux sériels, donc il y a un certain nombre, et c'est aussi ce que vous avez dit en parlant de la jurisprudence et du rôle de la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'il y a des procès qui ont vocation, dans les faits, à faire jurisprudence. Et il y a des procès qui sont engagés aussi par un salarié, dont on sait très bien qu'il dissimule, ou qu'il, ça n'est pas un terme péjoratif, mais que derrière ce procès, il y a une action collective, il y a de nombreux salariés qui sont concernés, d'où l'intérêt qu'il y aurait de regarder s'il y a des mouvements sériels dont je parlais, s'il y a plusieurs salariés qui ont fait parallèlement, en même temps, des demandes, et ce qui pourrait peut-être nous faire considérer que l'ampleur du phénomène sur les demandes de requalification est supérieure à celui qui est donné objectivement en valeur absolue par les chiffres. Voilà. Donc je confirme tout à fait qu'on a assez peu d'affaires, en définitive, si on le rapporte au nombre de travailleurs concernés, potentiellement concernés. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas que la mobilité. Donc on pourrait éventuellement aller au-delà si, sur cette question de principe
qui est posé et on n'a pas énormément de contentieux en réalité. Alors, beaucoup pour les juges, c'est du travail pour nous. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Moi, je pense que des études complémentaires, notamment sur les arrêts déjà rendus dans les cours d'appel, et là, on a la base, mais il faut faire l'étude, nous permettrait de répondre d'une manière plus certaine, plus sûre à la question que vous posez. Mais si je puis me permettre, la question en fait de la volonté, du point de vue du droit, de la volonté en fait du travailleur, n'a pas à intervenir là-dedans. La question n'est pas la volonté du chauffeur de tel ou tel type de contrat. La question, c'est, d'un point de vue du droit, est-ce qu'il y a ou pas subordination ? Quand bien même on aurait un travailleur volontaire pour être dans une relation d'esclavage, que le droit ne l'autoriserait pas. Donc là, on est dans une situation où, sur l'ensemble des dossiers, on a quand même une grande majorité donc, qui arrive à une requalification en salarié au niveau des plateformes. On a une jurisprudence qui est en train de se constituer au niveau de la Cour de cassation et qui confirme les liens de subordination. Certes, pas dans tous les secteurs, puisque vous nous avez bien dit que pour l'instant, on est sur des arrêts qui relèvent à la fois de la question des chauffeurs VTC, donc les plateformes de transport, et les chauffeurs livreurs, et non pas plein d'autres secteurs qui ont pu être soumis à l'ubérisation. Mais voilà, je pense que c'est important de rappeler que je pense que d'un point de vue du droit, la question de la présomption de salariat ne dépend pas de la volonté des plateformes ou des travailleurs ou des clients, mais du point de vue du droit, sur la façon dont on définit dans le droit les liens de subordination. Bien évidemment, vous avez parfaitement raison. La Cour de cassation, elle fait application des règles de droit, peu important, la volonté des parties. On le dit d'ailleurs clairement dans nos arrêts, peu important les stipulations contractuelles, ça c'est sûr. Je vous signale d'ailleurs que sur cet aspect de volonté des parties, il y a eu un rapport de l'IGAS sur les questions de santé et de sécurité des travailleurs de plateforme en 2018, qui est de décembre 2018, ça doit être le 050R, sur la régulation du secteur des voitures de transport avec chauffeur, parce qu'évidemment, il y a toute la question de la santé et du droit au repos qui est derrière, puisque l'expérience montre, on l'avait vu dans les dossiers, qu'en moyenne, les heures de travail par semaine, les heures d'exécution, en tout cas, tournent autour de 70 heures. D'ailleurs, Uber elle-même calcule qu'il y a un taux d'accident à la 9e heure qui est 3,5 fois celui de la première heure. Donc voilà, il y a aussi un aspect protection de la santé et de la sécurité qui est derrière et qui ne dépend pas, ne doit pas dépendre de ce que pense le travailleur lui-même, ça c'est certain. Bien. Écoutez, je vous remercie infiniment, c'était vraiment extrêmement riche et instructif, et je vous remercie aussi des documents que vous nous avez apportés, et puis peut-être que nous aurons des demandes complémentaires d'informations, mais je crois que vous nous avez déjà donné pas mal de travail à ramener à la maison. Merci beaucoup à vous trois.
Bien, cher collègue, merci d'être revenu après cette légère interruption. Nous recevons M. Nicolas Musikas, directeur général France de la société turque Getir, spécialisée dans le quick commerce, et Mme Mathilde Closer, directrice des relations publiques de Getir. D'après Monsieur Musikas, d'après les informations à ma disposition, vous êtes un spécialiste du secteur du commerce du détail. Vous avez pris vos fonctions récemment à la tête de Getir France en septembre 2022. Vous avez néanmoins pu assister en décembre 2022 au rachat, par la société Getir de son concurrent allemand Gorillas, pour lequel avait déjà racheté la société française Frischti. À ce jour, vous êtes donc à la tête de l'une des principales entreprises de quick commerce qui utilise pour son activité des entrepôts, des locaux commerciaux situés en centre-ville, parfois appelés dark stores. On voit notamment à Paris, où la rapporteure et moi-même sommes élus, qui permettent de livrer en moins de 10 minutes des courses alimentaires. Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui pour éclairer les travaux de notre commission d'enquête qui poursuit un double objectif. D'une part, identifier l'ensemble des activités de lobbying menées par l'entreprise Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, les fameuses Uber Files, et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre les décideurs publics et les représentants d'intérêts. Et d'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France, l'ubérisation, et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Alors, sur le premier point, bien sûr, vous n'êtes pas concerné en premier chef. Néanmoins, il serait quand même intéressant de nous indiquer quel type de relations l'entreprise Getir France entretient avec les pouvoirs publics, les ministères en charge du contrôle, de la régulation de votre activité, comme le ministère de l'économie. Et sur le second point, notamment, nous avons été conduits à nous interroger beaucoup, on vient d'en parler d'ailleurs avec les représentants de la Cour de cassation, sur le débat sur le statut des employés des plateformes d'emploi comme Uber ou comme la vôtre. Employés comme travailleurs indépendants, mais souvent requalifiés par le juge comme salariés en raison d'un lien de subordination vis-à-vis des plateformes employeuses. C'est aussi un débat, évidemment, chez beaucoup de nos voisins européens ou en Amérique du Nord. Et on voit arriver aussi une directive de l'Union européenne sur cette question de présomption de salariat. Je crois savoir que la plateforme Getir a voulu se démarquer de ce modèle, avait envisagé d'employer 5000 personnes en France qui auraient eu le choix du statut de salarié ou d'indépendant. Pouvez-vous nous confirmer ce point, nous indiquer combien de personnes sont employées par Getir France actuellement sous le statut de salarié et sur le statut d'indépendant, et nous expliquer les débats, les réflexions que vous menez à ce sujet. Pouvez-vous également nous expliquer le mouvement de concentration caractérisant votre secteur d'activité, vos perspectives de croissance en France et la façon dont vous voyez, puisque vous avez évolué dans ce secteur depuis plusieurs années maintenant, le développement et l'essor de ce secteur en Europe, et avec notamment une question qui m'intéresse tout particulièrement, c'est de savoir si, selon vous, votre business model, votre croissance, dépend de cette question du statut du travailleur, de l'employé comme travailleur indépendant ou salarié, ou si c'est, selon vous, une question finalement assez secondaire dans l'essor, dans la croissance de ce modèle. J'ai relevé que plusieurs articles du site Mediapart ont dénoncé des licenciements massifs au sein de votre entreprise ces derniers mois. Pouvez-vous nous expliquer si ces informations sont justes, les raisons, le cas échéant de ces licenciements ? Je rappelle que cette audience est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, avant d'entamer les échanges sous la forme de questions et de réponses avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter l'un après l'autre à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Je le jure. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. La deuxième fois, effectivement, je suis convoqué à l'Assemblée nationale en deux mois, donc je suis très heureux d'être ici avec vous et pouvoir expliquer le modèle de fonctionnement de Getir. Je me permets de me présenter rapidement, donc Nicolas Musikas, je suis arrivé effectivement en septembre 2022 dans la société Getir et j'ai derrière moi 20 ans d'expérience dans le retail traditionnel, disons, dans des entreprises à la fois internationales ou françaises comme Carrefour.
Donc aujourd'hui, nous sommes un peu surpris d'être invités à cette commission, effectivement, UberFi, parce que nous distinguons sur plusieurs éléments des sociétés et des plateformes d'intermédiation que sont Uber ou Deliveroo, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. La société Getir, comme vous l'avez souligné, donc, c'est un des acteurs principaux du Quick Commerce, une société qui est née en Turquie en 2015, qui s'est implantée en Europe à peu près en 2021 et en France en milieu d'année 2021. Qu'est-ce que c'est que le Quick Commerce aujourd'hui pour nous ? C'est un commerce connecté qui permet à des consommateurs de faire leurs courses de façon assez rapide et qui permet surtout de libérer du temps aux consommateurs. Comme vous savez, en France aujourd'hui, selon les différentes enquêtes, le faire ses courses en supermarché, c'est une corvée, et donc nous proposons de libérer du temps, puisque nos clients peuvent faire leurs courses en 5 minutes, passer à autre chose, et nos livreurs, donc, qui sont employés en CDI, j'y reviendrai, livrent les courses. Donc, libérer du temps, c'est un secteur qui a une certaine attractivité auprès des consommateurs. Hein. Nous avons plus de 2 millions de téléchargements de l'application aujourd'hui en France. Donc, il y a une demande de ce type de service et on y répond tout en construisant ce métier qui est nouveau. C'est un vieux métier qui est le métier du commerce, mais qu'on a digitalisé. Donc, c'est vraiment une digitalisation du commerce qu'on est en train d'effectuer. Donc, quel est notre modèle et en quoi il se différencie d'Uber et des plateformes ? Tout d'abord, nous ne sommes pas une plateforme, nous sommes une entreprise de distribution, c'est-à-dire que nous avons des fournisseurs, comme toute entreprise de commerce, de distribution. Nous achetons auprès de ces industriels de l'agroalimentaire en suivant les règles du commerce dans tous les pays, donc en France notamment soumis à la loi Egalim avec des contrats qui sont signés dans des temps impartis. Nous faisons livrer ces marchandises sur une plateforme logistique et que nous distribuons ensuite dans nos différents magasins. À partir de ce moment-là, nos clients commandent sur l'application et sont livrés dans un délai assez rapide, ce qui leur permet effectivement de libérer du temps par rapport à des courses alimentaires dans des magasins, dans des supermarchés qui vont prendre 45 minutes, ou même des courses classiques sur des sites marchands comme Carrefour.fr, où on est plutôt livré le lendemain dans un créneau de 1 ou 2 heures. Et donc nous, avec notre système, on permet aux consommateurs de libérer du temps et passer à autre chose. Donc c'est vraiment sur cet aspect qu'on se distingue. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour cette distinction vis-à-vis des plateformes, les plateformes sont des intermédiaires, en fait, alors que nous sommes complètement intégrés sur la chaîne logistique. Les plateformes sont utilisées par des restaurateurs, sont même utilisées par certains supermarchés pour rentrer dans cet univers du quick commerce. Nous n'utilisons pas de plateforme, nous utilisons nos propres employés, nos propres véhicules. Donc, au passage, je tiens à souligner que nous avons des livraisons complètement décarbonées, vélo électrique, scooter électrique, et que nous insérons dans le paysage urbain dans les villes où nous sommes implantés. Nous sommes aujourd'hui dans cette ville en France. Et donc voilà un peu le descriptif de l'activité. Donc sur la partie, disons, et on reviendra peut-être après sur la partie relations publiques, sur la partie emploi et social, nous favorisons effectivement le modèle de CDI. Nous n'employons que des CDI chez nos livreurs et chez nos préparateurs de commandes. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle qui a été choisi dès le départ, non seulement en France, mais dans les autres pays, pour favoriser la formation des livreurs, pour favoriser la relation avec le client et évoluer dans une meilleure qualité de service. Il se trouve effectivement, lorsque on interroge nos clients, les livreurs connaissent leurs clients et donc on instaure une vraie relation client au travers de notre propre force de livraison. Je pense que c'est un modèle qui est très vertueux pour insérer un certain type de population dans le monde du travail. Nous sommes un véritable tremplin par rapport à des gens qui sont en premier emploi.
Et par rapport à, effectivement, à Uber et l'ubérisation, beaucoup de nos livreurs viennent en fait de ce monde-là. Ce sont des anciens auto-entrepreneurs. Et donc, on les insère dans un véritable métier. On veut faire du métier de livreur un vrai métier et développer ce métier en tant que tel. Donc voilà un petit peu pour le descriptif de ce qu'est Getir, de comment on travaille. Et comment on se différencie de Uber. Donc, je répète, Uber n'a pas de fournisseur, Uber n'a pas d'entrepôt logistique, Uber n'a pas de magasin physique, et Uber n'a pas d'employés. Nous avons tout ça. Donc, voilà les grandes lignes de différenciation. Donc, sur la croissance en France, donc, nous avons évidemment des ambitions de nous consolider comme l'acteur principal sur le marché du quick commerce. Nous pensons que c'est un marché d'avenir. Aujourd'hui, 10% des courses alimentaires sont faites en ligne. Et nous voulons nous inscrire dans ce paysage futur de la distribution en ligne, qui, encore une fois, selon notre modèle, libère du temps pour les consommateurs. Et c'est sur quoi on insiste. Vous posez une question effectivement sur le statut de travailleur, donc statut CDI. Nous insistons sur ce statut. Alors évidemment, c'est pas évident. Il y a des difficultés. On rencontre des difficultés puisque, comme je le disais auparavant, on recrute des gens qui sont en situation de premier emploi ou des gens qui étaient dans des situations d'autres entrepreneurs et donc il y avait une certaine difficulté à rentrer sur le marché du travail. Et des fois, à s'adapter effectivement aux règles et aux droits du travail. Est-ce que je peux juste vous demander une toute petite précision là-dessus ? On pourra d'ailleurs en parler plus en détail. Est-ce que je me trompe en disant qu'il me semblait qu'au moins au sein de Frishti fonctionnait avec des auto-entrepreneurs ? Et donc, est-ce que vous avez changé le fonctionnement interne de Frishti ou est-ce que Getir et Frishti sont séparés de ce côté-là ? Oui, alors je vous confirme. Donc, effectivement, nous avons racheté Gorillas et au sein de Gorillas, Frishti avait été racheté par Gorillas. Donc, effectivement, nous retrouvons aujourd'hui avec ces deux nouvelles sociétés et dont Frishti, je vous confirme, travaille avec des auto-entrepreneurs. Ce n'est pas notre modèle. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'analyse des sociétés. C'est une acquisition récente. Donc, on réfléchit effectivement à aller vers un modèle plus en phase avec nos origines et ce qu'on a développé jusqu'à présent. Alors, vous posez une question effectivement donc sur l'article de Mediapart et vous demandiez combien on a d'employés aujourd'hui. Donc nous avons 900 à peu près CDI, 900 employés sur le périmètre Getir. Alors il est vrai qu'au mois de juillet, on a procédé à quelques licenciements, qui ont été mis en œuvre, disons, pour des raisons disciplinaires. Donc moi j'étais pas là quand ça s'est passé, mais si je regarde l'historique, en fait la société s'est développée assez rapidement, a pris et a recruté des gens, comme je disais, qui venaient du monde de l'auto-entrepreneuriat, des gens qui étaient en première situation de CDI, et je l'avoue, il y a eu force, a priori un peu de laxisme dans la gestion des ressources humaines, parce qu'on était une société en plein développement, et elles n'ont pas forcément pris au fil de l'eau les décisions nécessaires pour mettre en place des mesures de suivi du droit de travail. Donc on s'est retrouvé avec des situations de gens qui ne se présentaient pas au travail, des gens qui consommaient des substances illégales sur le lieu de travail, des gens qui se retrouvaient dans des situations de violence verbale ou physique sur le lieu de travail. Et il y a eu un certain laxisme, effectivement, pour mettre des mesures disciplinaires au fil de l'eau dans les premiers mois. Et donc, au mois de juillet, il y a eu une prise de conscience et donc on a procédé à des licenciements pour raisons disciplinaires. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, parce qu'on a... Il y a eu également des gens qui sont partis d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de rotation dans ce métier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au mois de mai, il y avait à peu près 1700 personnes dans la société. Donc c'est vrai, le chiffre est important.
Mais encore une fois, je crois que c'est un laxisme de la gestion des ressources humaines au jour le jour qui n'a pas été fait. Et donc au moment où il y a eu une prise de conscience qu'il y avait ces problèmes, la société a procédé à ces licenciements pour faute grave. Je sais que je vais vous demander de commenter les pratiques de vos concurrents, mais j'aimerais vous demander, à partir du moment où vous faites le choix, au moins au sein de Getir, de faire recours à des travailleurs en CDI, je voudrais demander quel regard vous portez sur les débats actuels chez certains concurrents et les débats juridiques, naturellement, en France comme à l'étranger, sur cette question du statut des chauffeurs, des livreurs, et le débat entre l'auto-entrepreneuriat et le salariat. Alors, moi, je peux vous donner une vision, si vous voulez, de vécu sur le terrain. Lorsque je passe en magasin et que je parle à nos employés, le vécu sur le terrain de la part des employés, c'est que bien souvent, et malheureusement, ils ont l'impression qu'en tant qu'entrepreneur, ils sont plus libres. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir leurs horaires, ils travaillent lorsqu'ils veulent. Lorsqu'ils sont dans un cadre plus structuré, qui est le cadre du contrat de travail, bah, des fois, ils ont du mal à s'adapter. C'est un peu le ressenti. Ensuite, nous, on a choisi ce modèle parce qu'on donne un cadre juridique, on donne un cadre de protection aussi, qui n'est pas toujours compris de la part de nos employés en termes de sécurité sociale, en termes de protection, mais on donne ce cadre. Et puis également, on donne un cadre de sécurité au travail, avec des équipements individuels qui sont quand même d'une qualité très, très importante par rapport à ce que peut se permettre un auto-entrepreneur en termes d'acquisition de protection individuelle, que ce soit des casques, des gants, des pantalons renforcés au niveau des genoux. On a deux tenues, une tenue d'hiver, une tenue d'été. Donc évidemment, tout ça, ce sont des investissements que fait la société pour ses employés. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui un entrepreneur a la capacité d'acheter tout ça pour pouvoir faire son travail. Donc nous, on est plus évidemment les véhicules hein, qui sont contrôlés régulièrement, véhicules décarbonés évidemment. Donc pour nous, ce qu'on propose pour nos employés se différencie de façon très importante par rapport à ce qu'un auto-entrepreneur peut se permettre en termes de protection, au-delà de la protection sociale dont on a parlé. Je vais poser une dernière question pour l'instant et après je me tournerai vers la rapporteure et nos collègues. Sur la question plus précisément des dark stores, qui est un sujet pour l'instant que nous n'avons pas vraiment évoqué dans notre commission d'enquête, mais qui vous touche tout particulièrement. Vous savez que, et j'en parle en connaissance de cause, c'est un sujet qui provoque de nombreux débats chez les riverains, à la fois en termes de nuisances sonores, même de transformation, je dirais, du cadre urbain, avec l'apparition d'entrepôts à la place de commerces plus traditionnels. J'aimerais avoir votre regard là-dessus, si ça fait évoluer aussi vos pratiques, si vous engagez aussi dans un dialogue et une concertation avec les riverains lorsque vous ouvrez des entrepôts ou avec les collectivités territoriales, par exemple la mairie de Paris. Alors, effectivement, ça a été un sujet, je pense, dans les premiers mois d'implantation de Getir, mais même des autres de concurrents, la relation avec les riverains. Et il y a eu des erreurs qui ont été commises. Et je pense que nous, on a réussi à redresser la barre assez rapidement. Donc, on a créé des référents voisinage dans chaque magasin, avec une personne qui est sur place, qui laisse son numéro de téléphone au voisin. On a intégré nos livreurs au sein du magasin. Donc, lorsqu'ils ne sont pas en train de livrer, ils sont à l'intérieur du magasin, ils ne sont pas dehors. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, des livreurs Uber qui sont massés devant plusieurs restaurants. Comme vous pouvez, quand vous baladez dans Paris, c'est assez évident. Nous, ils sont au sein du magasin, ils ont une salle de repos, ils ont leurs heures de pause. Donc, grâce à ces mesures, on a fortement amélioré la relation avec les riverains. D'autres exemples, c'est effectivement lors des livraisons le matin, peut-être qu'il y avait un petit peu de bruit, on a installé des rampes en caoutchouc. Donc il y a un vrai dialogue qui s'est installé, qui n'était pas présent au début. Donc je reconnais qu'effectivement, il y a eu des erreurs dans la construction rapide du modèle qui s'est fortement développé assez rapidement. Mais aujourd'hui, je pense que ces relations riverains sont largement dépassées. Et le dialogue s'installe, non seulement avec les riverains, mais avec les
autorités locales. On est en train, sur plusieurs villes, de signer des chartes de bonne conduite du quick commerce avec les mairies. Donc, ça avance dans le bon sens. Aujourd'hui, sur l'emplacement de nos magasins, je pense qu'il n'y a pas de substitution du petit commerce. Nous, on se positionne en complémentarité du petit commerce. On est de toute façon sur des zones, par définition, qui ne sont pas des zones très passantes en termes de flux. Donc, il n'y a pas de concurrence sur la partie vis-à-vis du petit commerce et qui s'inscrit complètement en complémentarité. Si, je vais me tourner vers la rapporteure et juste préciser à mes collègues, Mme Rouleau, M. Zguinsky, de me faire signe si vous avez aussi des questions. Alors, j'ai pas mal de questions. Mes questions... Il faut que vous coupiez votre micro, excusez-moi. Voilà. Donc, j'ai pas mal de questions. Ma première question porte vraiment sur les débuts de Getir en France, l'arrivée de Getir en France, en fait, puisque... On sait que Franck Riester, lorsqu'il était ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, s'était rendu à Istanbul les 27 et 29 septembre 2021 dans le cadre de la JETCO, la commission mixte Turquie-France pour l'économie et le commerce. J'aurais aimé connaître un peu ces circonstances en fait, de l'implantation de Getir en France. À votre connaissance, les pouvoirs publics ont-ils donc encouragé cette implantation? Et si oui, comment? Et en particulier, Getir a-t-il bénéficié de soutien du ministre du Commerce extérieur et de BPI France? Avez-vous par ailleurs bénéficié d'aide à l'embauche? Si oui, lesquelles et pour quel montant? Et notamment, est-ce qu'il y a eu donc des aides lors de la création d'emplois? Je pense notamment au 92, par exemple, et des aides aussi dans l'établissement, la création l'ouverture des entrepôts. Sachant que je sais qu'il y a tout un enjeu dans la définition, la terminologie des dark stores. C'est ma première question. Très bien. Alors, je vais répondre à une partie, peut-être je laisserai Mathilde répondre sur la partie sur le détail. Donc, je rappelle encore une fois, moi je suis arrivé en septembre 2022, donc après les débuts de Getir. Je sais que la société s'est appuyée sur Business France, comme n'importe quelle société qui rentre sur le marché français pour s'installer. En ce qui concerne l'aide à l'embauche, on a eu effectivement des aides, donc 200 000 euros à peu près en 2021 et 1,2 million en 2022. Alors, 1,2 million. Et ça, oui. pour la création d'emplois, donc justement dans ces populations qui avaient des difficultés d'insertion. Alors ça, c'est à mettre en parallèle aux cotisations sociales de plus de 8,2 millions payées sur 2022. Donc il y a eu ces aides, effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres aides spécifiques de l'État. Sur ce que vous avez mentionné en début de JETCO, peut-être Mathilde, tu as d'autres informations? Alors effectivement, à ma connaissance, on n'a pas participé à ce JETCO, mais voilà, moi je suis arrivée aussi en mars 2022, donc c'était avant mon arrivée. En revanche, c'est vrai qu'on a participé au JETCO qui a été organisé il y a quelques mois à Paris. Mais ce JETCO-là, à ma connaissance, effectivement, on n'y a pas, celui que vous mentionnez, on n'y a pas participé. Effectivement. Oui, Getir, absolument, ouais. À ma connaissance, encore une fois. Et effectivement, moi, de ce que je sais, c'est que vraiment les contacts préalables qui ont été pris l'ont été faits uniquement au travers de Business France et pas avec des interlocuteurs politiques ni ministres. En amont de la plantation. Donc, Getir a procédé à des recrutements nombreux lorsque Getir arrive en France. Ça coïncide par ailleurs à une période de très forte levée de fonds de la part de votre plateforme. Et comme vous nous l'avez confirmé, par la suite, il y a eu quand même beaucoup de licenciements. Vous nous dites aujourd'hui, on est à 900 employés, qui a certes eu des licenciements pour raisons disciplinaires et des départs. Mais vous nous dites aussi que, en fait, vous étiez 1700 en mai, ce qui fait quand même un écart de 800. Vous n'ignorez pas que la loi oblige, dès lors qu'un employeur interrompt les contrats de plus de 9 personnes
au cours d'une période de 30 jours, il est obligatoire de, que l'employeur procède à un plan sauvegarde de l'emploi, un PSE. Avez-vous procédé à un PSE ? Donc, non, il n'y a pas eu de PSE, justement parce que ces licenciements étaient dus à des fautes graves, donc pour raisons disciplinaires. Vous réalisez que sur un nombre aussi important de départ, puisque je ne sais pas si le différentiel de 800 entre les 900 employés actuels et les 1700 personnes en mai, je ne sais pas s'il s'agit de 800 licenciements ou quelle est la part des licenciements pour faute grave et la part de départ de démission de l'entreprise. Mais là, vous comprenez que c'est un chiffre qui est quand même énorme, qui forcément prête à très fortes interrogations. Là-dessus, nous avons les articles de Mediapart qui montrent que... voilà, qu'il y a, pour reprendre vos propos, vous dites un laxisme dans la gestion des ressources humaines au jour le jour. On pourrait au contraire avoir l'impression d'un laxisme du fait de la direction des ressources humaines vis-à-vis de l'application du droit dans le cadre de, des ruptures de contrats de travail avec l'entreprise. Je vais me permettre de compléter cette question pour vous demander aussi s'il y a des contentieux actuellement en cours avec certains des employés qui seraient partis dans le cadre de ces licenciements. Très bien. Alors, sur effectivement, le nombre est assez élevé, mais encore une fois, c'est disons une gestion des ressources humaines depuis le départ, parce qu'il il manquait des gens au niveau des ressources humaines, qui n'a pas permis de faire ce suivi des employés. Donc, vous parliez du droit du travail. Effectivement, le droit du travail n'a pas été respecté de la part de certains employés. Le fait simple de ne pas se présenter pendant 3 semaines, aucune société aujourd'hui en France ne peut accepter ça, parce que c'est un contrat de travail, donc les gens doivent se présenter. Le fait de se battre sur le lieu de travail, c'est la même chose. Ça donne lieu à des mesures disciplinaires. Le fait de consommer des substances illégales, c'est la même chose. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepté. Et donc il y a eu ce laxisme, je pense, dû au fait de la croissance rapide et peut-être parce que les équipes avaient peur de perdre justement dans les premiers temps leur capacité à livrer les commandes. Et donc il y a eu ce laisser-aller. À partir d'un moment de ce laisser-aller, et c'est normal, c'est arrêté et ils ont commencé à regarder les dossiers. Et lorsqu'on commence à rentrer dans le détail, moi j'ai regardé personnellement plusieurs dossiers qui avaient été gérés à l'époque, et on se rend compte, en lisant effectivement les raisons de licenciement, qu'il y a des raisons disciplinaires. Sur les contentieux, Monsieur le Président, il y en a assez peu, donc il y en a quelques-uns, s'ils sont en cours de jugement, donc on ne peut pas forcément commenter dessus, mais il y en a très peu. Toujours sur ce thème-là, y a-t-il eu à l'intérieur de Getir une décision qui était de se séparer d'un grand nombre d'employés ? Je pense qu'il y a eu une décision. J'entends évidemment indépendamment des problématiques que vous soulevez de faute. Pas à ma connaissance. Je pense qu'il y a eu une décision, effectivement, à un moment donné, de se dire... stop, on ne peut plus permettre ce genre de comportement. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est lorsqu'il y a effectivement des gens qui ne se présentent pas au travail, c'est les gens qui se présentent au travail qui en souffrent, parce qu'ils sont obligés, il y a plus de commandes qui arrivent, ils sont moins nombreux, et puis ça gangrène un petit peu l'ensemble des équipes. Donc à un moment donné, il y a eu une prise de conscience, effectivement, que ce laxisme n'était plus possible, et donc il a fallu prendre des mesures disciplinaires. Vous n'avez pas procédé au recrutement pour pouvoir compenser l'ensemble de ces départs. Donc vous comprenez bien que là, on est encore plus à même de considérer qu'il y a bien eu des raisons économiques en termes de motivation à l'ensemble de ces licenciements, sans compter les révélations qu'on a pu avoir de la presse et les informations qu'on a pu avoir par ailleurs, de témoignages d'anciens salariés. Alors, sur le remplacement, effectivement, de ces personnes,
Il y aurait eu une volonté effectivement de les remplacer. Simplement, le cadre juridique depuis l'été, comme vous le savez, avec un décret spécifique sur le code de commerce, aujourd'hui ne donne pas la visibilité pour recruter ces personnes. On aimerait pouvoir le faire une fois qu'il y a un cadre juridique, et on appelle de notre souhait à ce que ce cadre juridique soit mis en place pour effectivement avoir une plus de visibilité sur le développement de la société. Donc c'est pour ça qu'effectivement, tous ces postes n'ont pas été remplacés. Pas plus tard qu'hier, on apprenait que pour Getir en Angleterre, des plans de licenciement allaient arriver. Donc il y a bien une difficulté économique du secteur. Vous la corroborez en disant que le secteur est pour le moins, au moins suspendu à des décisions concernant les décrets qui devaient paraître en juillet dernier sur... le statut juridique en fait des dark stores, dark kitchen. Enfin, vous concernez plus par les dark stores que par les dark kitchen. Ça m'amène à vous poser ma troisième série de questions. Vous avez eu déjà des échanges avec des responsables publics à l'intérieur des ministères afin d'obtenir des modifications ou des aménagements à la fois du droit du travail, du droit de l'urbanisme, qui soit plus favorable à votre activité en France. Pourriez-vous nous en dire plus et par ailleurs transmettre à la commission d'enquête parlementaire, dont je suis la rapporteure, l'ensemble des documents de ces échanges concernant à la fois les volontés d'aménagement du Code du travail et les volontés de modification ou d'aménagement du droit de l'urbanisme? Alors, sur le droit du travail, pas à ma connaissance. Sur l'urbanisme, il y a eu des discussions avec, notamment lorsqu'on parlait de chartes de bonne conduite, on a parlé effectivement de nos emplacements, de la localisation de nos emplacements, mais rien de plus. Donc peut-être Mathilde peut spécifier un petit peu sur l'urbanisme. Oui, absolument. Alors effectivement, dans le cadre du développement du décret et de l'arrêté, on a été sollicité par la DHUP pour une consultation qui a eu lieu en septembre. Avec les autres acteurs, ouais, ce septembre-là, exactement. On avait été aussi sollicité en amont. Un projet de texte avait été envoyé, je pense, à un certain nombre d'acteurs. Il nous avait été transmis également pour commentaires. Le projet de décret de juillet. Absolument. Donc voilà, première étape, celle-là. Deuxième étape, consultation, à laquelle on participe avec l'ensemble des acteurs du secteur, donc Quick Commerce, ainsi que la FCD, donc la Fédération du Commerce et de la Distribution, dont nous sommes membres. Voilà, donc lors de cette consultation, on a pu faire part de nos positions sur ce projet de texte, de certaines inquiétudes qu'on pouvait avoir, notamment parce que finalement ce texte n'a d'impact que sur notre secteur, mais les autres acteurs de la livraison, comme Uber ou comme d'autres qui n'ont pas de magasin physique, ne sont pas du tout impactés. Et pour autant, les problématiques qui sont reprochées, on va dire, autour de la livraison, leur sont reprochées également. Donc voilà, on a eu un échange là-dessus. Et puis, à l'issue de cette discussion, effectivement, nous, on n'a pas de visibilité à la fois sur la date de publication de ce décret, cet arrêté, sur leur contenu. Effectivement, nous, enfin, comme l'a dit Nicolas Musicas, on appelle de nos voeux une clarification parce qu'on est suspendu à cette décision et c'est assez complexe. Même dans nos relations avec les élus locaux, effectivement, ça permettrait de simplifier, de clarifier les choses. Nous, on a vraiment envie d'être dans une relation de coopération avec les élus locaux. On essaie de s'adapter, on essaie de comprendre, au fond, ce qu'on attend de nous aussi. On a beaucoup échangé sur ces sujets-là, de dire, nous, on est dans une volonté de s'adapter. Alors, par exemple, on l'a dit, on a créé ce gestionnaire de voisinage. On essaie à chaque fois, au cas par cas, les magasins d'adapter les horaires de livraison, adapter notre mode de fonctionnement. On développe aussi maintenant la vente sur place, parce qu'on a compris que c'était important pour le dynamisme de la ville, des linéaires commerciaux, de pouvoir développer ce type de propositions là. Donc on est vraiment cette volonté de s'adapter, de comprendre ce qui est attendu de nous. On comprend qu'on est un nouveau secteur, donc ces échanges ils sont autour de ces thématiques là. Merci beaucoup pour votre présence et vos explications. En fait, je voudrais avoir quelques éclaircissements. Donc, vous avez dit au tout début de votre intervention, si j'ai bien compris, que le marché était porteur. Et bon, comme l'ont expliqué mes collègues, on voit l'évolution de vos effectifs et
on peut en déduire que finalement, d'après vos derniers propos, le marché ne serait peut-être pas porteur. Donc voilà, maintenez-vous que le marché est porteur, et comment voyez-vous sa croissance dans les années qui viennent? Et après, j'ai une seconde question. Donc, si j'ai bien compris, vous avez Getir d'un côté qui emploie en CDI, et de l'autre côté, des entreprises que vous avez rachetées, donc Gorillas et Frishti, qui, elles, étaient plutôt en mode auto-entrepreneur. Donc, même si Getir semble avoir des difficultés, j'imagine que si vous avez racheté Gorillas et Frishti, la situation devait être plus compliquée chez vos concurrents encore. Du coup, par rapport à ces deux modèles économiques, donc salariat versus auto-entrepreneur, pouvez-vous détailler les éléments de compétitivité prix et compétitivité hors prix de ces deux modèles économiques finalement? Voilà, mes questions. Je vous remercie. Donc, alors effectivement, sur le développement de Getir, Getir est en France dans la durée. Les investissements qui ont été réalisés jusqu'à présent sont assez importants. Donc, c'est pour s'inscrire dans la durée. Et cette durée, elle passe par notre modèle. Donc, notre modèle, comme je l'ai précisé, donc, c'est des magasins en propre, c'est une plateforme logistique en propre, c'est des relations avec des fournisseurs de l'industrie alimentaire, dont 30% sont des PME françaises. Donc c'est le modèle économique de Getir qui s'inscrit dans la durée avec une volonté de continuer à gagner des parts de marché qui sont aujourd'hui très faibles. Hein. On représente le quick commerce représente 0,1% aujourd'hui des surfaces commerciales quand vous le comparez à l'ensemble du commerce de distribution en France. Mais il y a une vraie lame de fond qui est les achats en ligne, et donc nous pensons que notre solution libère du temps pour les consommateurs et donc du coup s'inscrit de façon plus pérenne dans un commerce de demain. Il est vrai qu'aujourd'hui, et c'est le cas partout dans la distribution, l'inflation, la situation internationale fait que aujourd'hui la consommation est un peu en berne, et donc comme tout le monde, on en subit un petit peu les conséquences. Mais je pense que le modèle économique s'inscrit dans la durée. Donc, c'est un modèle économique qui est nouveau, donc qui a besoin de temps pour trouver sa voie. Et je pense que dans certains pays, la voie a déjà été trouvée, donc de rentabilité, avec un système basé sur l'emploi. L'emploi, c'est CDI. Donc, on a probablement encore un petit peu de temps devant nous pour améliorer le modèle, mais il y a une vraie volonté de rester sur ce modèle. Sur la différence spécifique économique entre des emplois CDI et auto-entrepreneurs, je n'ai pas forcément des chiffres à vous communiquer, puisqu'en fait, nous ne gérons pas directement, et je reviendrai sur l'exemple, sur le cas spécifique de Frishti, nous ne gérons pas directement des auto-entrepreneurs. Donc je pense que c'est plutôt une question adressée à Uber, savoir combien ils payent effectivement leur auto-entrepreneur. Nous avons une convention collective qui est la convention collective e-commerce dont les salaires sont normés, et donc nous payons au salaire de la convention collective. Petite précision, donc effectivement Frishti utilise un système d'auto-entrepreneur. On a dit que ce n'est pas notre modèle, donc on est en train de réfléchir effectivement sur l'évolution de ce modèle chez Frishti. Et ce n'est pas le cas de Gorillas. Hein. Gorillas a également un modèle CDI. Oui, c'est CDI, Gorillas. Oui. Enfin, juste pour relancer, du coup, la croissance du marché que vous anticipez, enfin, vous n'avez pas de chiffres ou de projections. Et deuxièmement, vous avez parlé de pays où, a priori, votre modèle semblerait fonctionner un peu mieux que ce qui l'accroche en France, et quels sont ces pays, quoi. Le modèle les pays où effectivement le développement était plus rapide, c'est la Turquie évidemment parce que c'est le pays d'origine, mais ouvert depuis 2015, donc il y a 7 ans d'historique derrière, l'Allemagne qui a marché très porteur, et l'Angleterre. La France s'inscrit dans, je pense, à la potentielle pour,
pour se développer. En termes de développement, les études montrent que à terme, 30% du marché des courses se feront en ligne. Donc nous estimons qu'entre un modèle où on est livré le lendemain dans un créneau de 2 heures et un modèle où on est livré dans les 20 minutes, les consommateurs auront tendance à choisir le modèle de 20 minutes. Justement parce que ça leur permettra de libérer du temps et de ne pas être dépendant d'une livraison le lendemain dans un créneau de 2 heures. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur l'Allemagne et le Royaume-Uni, donc qui vous paraissent être des marchés un peu plus matures, d'après ce que je crois comprendre, hein, pour votre activité que le marché français, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce retard? Est-ce que c'est un cadre légal plus contraignant en France que ses voisins? Alors, encore une fois, moi je m'occupe de la France, donc je ne connais pas toutes les spécificités. J'avais géré dans le passé des sociétés au niveau international et je pense que le marché allemand est à peu près aussi sur le même niveau que le marché français. Je ne dirais pas la même chose de l'Angleterre, évidemment, mais en Allemagne, je pense que en termes de relations sociales, on est à peu près sur le même niveau qu'en France. Donc je pense que c'est plus une question effectivement de maturité du marché vis-à-vis des consommateurs que d'environnement social. Oui, vous avez donc, enfin, Getir a perçu 200 000 euros d'aide en 2021, 1 million d'euros en 2022 pour la création d'emplois pour un public notamment en difficulté d'insertion. Néanmoins, vous vous êtes séparé par licenciement ou départ volontaire de 800 personnes. Ma question, est-ce que vous avez fait l'objet d'une enquête de l'inspection du travail? Des recours judiciaires ont-ils été lancés concernant les licenciements? Qu'il s'agisse... y a-t-il eu des contentieux? En avez-vous connaissance depuis bien évidemment juin 2021 concernant les salariés du siège, concernant les livreurs et concernant les piqueurs, si c'est comme ça qu'on les nomme, ceux qui sont qui préparent les commandes en fait dans les magasins. Est-ce que c'est des contentieux au prud'homme, en pénal? Aussi, la presse s'est fait écho d'incitations financières versées à certains cas de Getir à condition qu'ils procèdent à des nombres suffisants de licenciements. Est-ce que vous confirmez cette information? Vous avez dit que vous étiez membre de la FDCT, de la Fédération... la FCD, la Fédération du Commerce et de la Distribution, pardon, si je mets dans le mauvais ordre. Comment vous respectez l'ensemble de la... du cadre légal concernant le commerce et la distribution. Très bien. Alors, sur l'inspection du travail, il n'y a pas d'enquête. Néanmoins, nous sommes en contact avec l'inspection du travail, collaborant avec l'inspection du travail sur des questions qui ont été posées. Donc, collaboration complètement ouverte, mais pas d'enquête spécifique. Sur le contentieux, j'avais pas de chiffre avant, mais effectivement, le chiffre exact, c'est 10 contentieux pour deux. Et en ce qui concerne le troisième point sur les relations et donc les règles suivies dans le cadre de notre activité de distribution, oui, absolument. On a une équipe d'acheteurs qui a fait toutes ces négociations jusqu'à la fin du mois de février, comme Egalim nous l'impose. Sur toutes les réglementations commerce, on a eu des visites de contrôle de la DDPP, qu'on a eu un retour très très positif d'ailleurs. Donc on suit absolument toutes les règles du commerce en tant que commerçant sur le territoire français. Pour la commission d'enquête parlementaire, en plus de l'ensemble donc des échanges de Getir avec les responsables publics, concernant les questions de modification et d'aménagement du code du travail ou du code de l'urbanisme. On souhaiterait avoir du coup les échanges avec l'inspection du travail qui a pu avoir. Depuis en fait l'implantation en France, donc depuis juin 2021 bien évidemment. C'est une requête de document ou... En fait pour la commission d'enquête. Pardon. Votre micro. La commission d'enquête parlementaire, je souhaiterais en tant que rapporteur que nous puissions avoir accès
aux documents de l'ensemble des échanges que vous avez eus avec l'inspection du travail depuis la création, depuis l'implantation de Getir en France, voilà, et également l'ensemble des échanges que vous avez pu avoir avec les pourvoir les pouvoirs publics et notamment les ministères concernant des questions liées à une modification du droit ou une modification des aménagements du code de l'urbanisme. Je me souviens pendant l'audition auxquelles vous avez par ailleurs participé, les auditions qui étaient sous l'impulsion de Maud Gapitel dans le cadre de la mission d'information sur le quick commerce. Désolé si je me trompe dans l'intitulé précis exact. Monsieur Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, avait dit très clairement qu'il avait eu le sentiment que le projet de décret d'arrêté de juillet dernier avait été fortement dicté par les intérêts des acteurs du e-commerce. Voilà pourquoi l'ensemble de ces échanges nous intéresse aussi tout particulièrement et depuis juin 2021. D'accord, donc nous prenons note. Juste deux questions. La première sur Gorillas, le statut des, je peux appeler vos collaborateurs, voilà, est-ce que c'est auto-entrepreneur ou salarié? Et sur Frishti, du coup, vous envisagez quoi, de proposer des CDI à vos collaborateurs actuels, ou de, enfin, qu'est-ce que vous envisagez de faire, s'il vous plaît, et pourquoi? Donc, sur Gorillas, effectivement, je confirme, ce sont que des emplois en CDI comme chez Getir, que ce soit à la fois chez les livreurs ou chez les préparateurs. Chez Frishti, c'est une grande majorité de CDI, bien évidemment, les gens du siège et les préparateurs de commandes. Il y a une utilisation de quelques auto-entrepreneurs, mais une utilisation également de prestataires de services logistiques, de logistique urbaine de dernier kilomètre. Donc nous sommes en train d'analyser tout ça et de voir comment on va pouvoir gérer ce nouveau ensemble des trois sociétés. Donc on n'a pas de réponse aujourd'hui, c'est en cours d'analyse, l'acquisition est assez récente et c'est en cours d'analyse. Et du coup, par rapport à l'analyse, quels vont être vos critères? Est-ce que ça va être un critère de formation, de qualité des collaborateurs, de coûts, de sécurité juridique, quels vont être les critères? Je pense que les critères vont être les mêmes que le choix qui a été fait initialement dans l'implantation de Getir. Donc, c'est un peu des trois éléments que vous avez cités, effectivement. Et donc, on prendra la décision en fonction de cette analyse. Mais aujourd'hui, la grande majorité des livreurs sur le périmètre des trois sociétés, ce sont des CDI. Écoutez, on avait commencé en retard, mais nous sommes déjà 15 minutes... là de l'horaire prévu, donc pour nos collègues, je vais suspendre la séance ici. Je vous remercie beaucoup. On a des demandes de documents, vous ferez le suivi et de toute façon nous aurons peut-être d'autres demandes et d'autres questions à vous adresser dans les prochaines semaines, et d'ailleurs on n'exclut pas de pouvoir faire appel à vous à nouveau dans les prochains mois dans le cadre de la commission d'enquête. Mais dans l'intervalle, je vous remercie de votre présence et de votre disponibilité aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.